Salut et bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Émission de Noël 2015. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Joyeux Noël à tous. Je croyais que tu m'avais dit qu'il y avait personne. Ouais, mais ils m'ont dit qu'ils partaient ce matin. Bon, ça va, on se tire. Ta gueule, Marvin. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Venez, maintenant j'ai plus peur du tout. Et jusqu'à minuit sur Skyrock, même le soir de Noël. D'ailleurs, joyeux réveillon à vous. Et ouais, on attend les cadeaux pour demain. Demain soir, les cadeaux de Noël. Oh, je ne suis pas encore passé. Excusez-moi, je suis le Père Noël. Il y a une espèce de machin qui bouge. Heureusement que c'est qu'une fois dans l'année. Hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, il nous a expliqué qu'il faisait des trucs avec Pamela. J'ai l'impression que c'est un Père Noël pervers. Enfin, c'est Pamela qui a révélé le dossier. Pamela, pompe-moi le bout. Ouais. Ouais. Oui, Père Noël. T'imagines s'il y a des gosses qui les gosses vont être terrorisés là. Si vous aimez pas vos petits frères, vos petites sœurs, dites-leur d'écouter Skyrock ce soir, il y a le Père Noël pervers. Oh, je suis en train de lui mettre sa race. Ah non, Père Noël. Ah, le Père Noël est en train de se préparer pour sa longue soirée. Il a une longue nuit après. Ah, bonjour petite fille. Regarde ce que j'ai pour toi. Une très jolie boule. Tu veux qu'on échange tous les deux, hein? Non. Non, donne-moi cette boule. Tout de suite, donc, de la drague avec deux méthodes. J'impose des méthodes Noël pour aujourd'hui, quand même. Ouais, bah, moi, je vais faire le Papa Noël. Tu vas faire le Père Noël. Oui, le Père Noël. Ah, je me disais, mais pourquoi il est là, ce soir? Ah, bah, il est avec nous pour faire le clash. Et niquer Pamela, accessoirement. Oh oui, ça, c'est clair, elle est bien bonne. Et Cédric, ta méthode? Je vais faire une méthode Noël, moi aussi. Une méthode. Voilà, c'est. Noël. Ouais, je n'en dirai pas plus. T'as l'air encore sûr de toi, tiens. Ça m'a l'air bien parti. Mais je vais faire la méthode des cadeaux, tiens. Des cadeaux de Noël. Wow. Ouais. Très bien, vous avez respecté la première contrainte, c'est-à-dire. C'est Noël. Noël. Allez, c'est parti, on appelle Séverine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Séverine. Ouais. Séverine, pour toi, Cédric. Allez. Bonne chance, Cédric. Allô? Ah, bonsoir. Allô? Oui. Ouais, Séverine, elle est là? Ouais, c'est de la part de qui? Bah, c'est de la part de Marc au téléphone. C'était pour faire un petit cadeau de Noël. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Non. Voilà. Ah, écoute, je peux voir avec toi, sinon, si ça te dérange. Bah ouais. Ouais, bah écoute, je voulais passer ce soir à la maison pour lui faire un petit cadeau. Ça te dérangerait pas que je vienne la voir, une petite surprise? Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde à la maison. Ouais, ouais, t'as raison. Que je débarque dans 5-10 minutes, là, hop, je lui fais un petit cadeau. Et puis après, bah, on fait tous l'amour ensemble. Oula. Ça, c'est la surprise. Ouais, ouais. Enfin, je t'en parle à toi, mais. Essayer, ouais. Je t'en parle à toi, mais lui, dis pas quoi. Ça reste une petite surprise. Essayer, entre ouais. Hein? Porte de venir, ouais, vas-y. Ouais, bah ouais, je vais venir, ouais. Ouais, ouais, bah vas-y. Moi, je sens que ça te ferait plaisir que je vienne te voir. Ouais, ouais, tente ta chance, ouais. Hein? Oh, bah oui, je veux tenter ma chance. Ah ouais. Dis à Séverine de se préparer et de se faire belle. Ouais, ouais. Dis-lui qu'il y a une surprise qui arrive et que je vais lui faire l'amour toute la nuit, tiens. Ouais, ouais. Je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi aussi. Mais ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc à trois? Je te sens chaud ce soir. Ouais, ouais, tu peux tenter, moi. Ouais? Ça te dirait que je te fasse l'amour à toi aussi? Ouais, ouais. Tu vas tenter, mais est-ce que tu vas réussir? Allez, mais ça, bien sûr que je vais réussir de lui faire l'amour. Allez, je sens que t'as envie que je te fasse l'amour. Allô? Eh, tu t'as pas un délire tout seul, non? Ah, c'est Séverine. C'est ça. Allô, ma chérie, ça tombe bien, c'est à toi que je voulais parler. C'est ça. Est-ce que je connais pas des brûleurs de ton genre, alors. Non, mais j'ai envie de te voir ce soir, c'est possible ou pas? Ah, oui. Ouais, ouais. T'es pas possible, je vais te foutre sous ta gueule, gros bâtard. Ah, bah écoute, ouais. Et puis j'espère que tu pourrais te faire l'amour quand même, un minimum. Bah, si vous avez que ça à foutre de réveiller les gosses, hein. Bah, c'est toi que j'ai envie de réveiller, j'ai envie de te faire l'amour à toi. Ouais, bah, t'as qu'à te branler tout seul, espèce de gros bâtard. Allez, je sens que t'as envie que je te fasse l'amour, toi. C'est dommage. Allô, ma chérie. Ouais, ta gueule est pauvre. Bon, allez, Séverine. Eh, je laisserai ton mari me faire l'amour s'il veut. Ouais, va te faire enculer, bâtard. Ce que je fais, rappelle c'est pas que. Parce que quoi. Rappelle pas mon gaillard parce qu'on appelle les flics. Ah, bah écoute, plus on rit, j'ai envie de te dire. Voilà où on en est. Ah, mais dis à ton mari que je viens. Apparemment, t'es pas tout seul. Non, non, t'as fait enculer par ta copain, espèce de bâtard. Je veux pas, moi. Si ton mec il veut venir me faire les fesses, y'a pas de problème, hein. Ouais, ouais, vous avez que ça à foutre. Téléphoner aux gens pour emmerder le monde. Est-ce que tu penses qu'il va y arriver au moins? Parce que on vous emmerde, les bandes de bâtards. Je suis sûr que je vais l'impressionner. Je vais venir, je vais te faire l'amour, et puis lui va être là, comme ça, il va me regarder, il va prendre une leçon. Ouais. J'ai pas de petit pour qu'il fasse l'amour, parce que c'est bâtard. Non, mais, ils vont en apprendre ce soir. Pas un petit. Ils vont en apprendre, et pas qu'un peu, j'ai envie de te dire. C'est bon, mais numéro, je vous avez que ça à foutre de téléphoner aux gens? Eh, repasse-moi ton mec, vas-y. Non, il parle pas au branleur. Eh, dis-lui que j'ai envie de lui faire l'amour, parle mal. Parle mal. Ouais. Et t'es franc avec tes copains, petit con? Ah, bah non, mais je vais les laisser à la maison, hein, puis je vais venir tout seul. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, j'ai envie de te voir un petit peu avec ton mari.
Ouais, t'as raison. Je te connais pas, moi, alors t'as pas me parler. Bah, justement, faire connaissance, Séverine, tu sais, c'est comme ça. Ouais, faire connaissance, j'ai pas besoin de parler de ton genre. Pour Noël, je te fais l'amour toute la nuit, ça te dit ou pas? Ouais, t'as raison, j'ai besoin de petit pour me faire l'amour. Ça, c'est un beau cadeau, ça, pour Noël. T'as besoin de petit. Hein? Eh, on rigole, ta gueule, gros con. Tu vas voir l'engin, tu verras. Ouais. Tu vas pas être déçu. Ah, l'engin, c'est toi, c'est un ça. Un sacré paquet. Ouais, ah, l'engin. Vous avez fait un foot, vous avez vraiment des fainéants à téléphoner aux gens, en mer et le monde. Ah non, mais j'ai envie de venir. Excuse-moi, j'ai envie de. Je t'appelle avant de venir. Bah, viens, viens, t'attends, c'est trop con. Tu sais que c'est un moment de politesse que je t'appelle avant de venir quand même. Ouais, bah viens. Mais tu m'attends ou pas? Ouais, viens, y'a pas de problème, viens. Bon, fais-toi belle, j'arrive et je te fais l'amour, d'accord? Ouais, j'ai pas besoin de faire belle, espèce de branleur. Bah, fais-toi belle quand même, minimum. Ta gueule, connard. Moi, je me suis lavé, je me suis fait raccrocher. Oh, elle a raccroché. Elle va venir quand même. Ouais, non, mais c'est mort. Oh, elle a raccroché. C'est mort. Ah, c'est mort. Ce sera à vous de décider c'est si c'est mort ou pas. Vous êtes se fait traiter de bâtard tout l'appel, s'il te plaît. Mais bon. Je peux bien de petit bâtard. On était dans le nord, là, il me semble. Hein. Ah, bah, bon. On a eu quelques petits. Salut, Milou. Alors, vive les nordistes, on nous dit sur SMS. Mais oui, on était bien chez les nordistes. Hein, c'est en tout cas, vous, les nordistes, vous l'avez maltraité, le man. Pauvre Cédricain. Ah, bah, elle m'attend tout à l'heure. Alors, on va donc maintenant passer à toi. Je peux bien de petit bâtard. Ouais. À la limite, Cédric, c'était pas mal, moi. J'ai bien aimé l'appel, elle était marrante. Oui, bon, ça, il s'est fait bien fait bête à l'avant. Bien rigolé. Mais bon, on peut dire qu'il y a invitation. Ah, tu peux venir, elle te l'a dit, mais bon. C'est une invitation, après, je sais pas si je vais. Essaye de faire mieux, Romano. Ligne numéro 7 pour toi, c'est parti. C'est la méthode du Père Noël. Comment draguer grâce à la méthode du Père Noël? Voici tout de suite la démonstration. Vas-y, vas-y, c'est Pascal. Vas-y, vas-y, c'est Pascal, j'y vas-y. Pascal, allez. Homme. Allez. Romano va-t-il réussir à séduire ce soir? Ah, j'espère. Allô? Allô? Allô, Pascal? Ouais. Ouais, comment ça va? Ça va? Ça va. Yo, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis? Ouais, je fais le Père Noël, là, au supermarché du coin, là. Tu m'as pas vu? Non. Non? Bon, dis donc, là, demain, j'aurais besoin de ta femme, là, pour qu'elle fasse la Mère Noël avec moi, là. Ouais, d'accord. Ouais, ça te dérange pas que je passe vous voir, vite fait? Si. Ouais, si, comme ça, je pourrais tester un peu la Mère Noël ce soir, quoi. Oh, oh merde. Oh, échec total. Même pas d'invitation. Même pas d'invitation, rien. Même pas un bâtard. Cédric, il y en a qui ont compté. Il y a eu 21 bâtards pour toi. 21, tout à l'heure. Tu vois. 21 putain. Bâtards. Alors, Romano. Putain, bon, j'aimerais bien un deuxième tour. Non, ça va aller, on a déjà un appel. Non, mais là, il y a personne qui a serré, donc il faut faire un deuxième tour. Moi, je me fais inviter. Hein? Moi, je me fais inviter. Bon, bah, prends le pas. Le but du clash, c'est quoi? C'est de se faire inviter à se faire casser la gueule ou alors de coucher avec quelqu'un? À coucher avec quelqu'un. Et voilà. Et voilà. Je couche pas avec, hein. Je donne donc un deuxième tour. Cédric, ligne numéro 7 pour toi. Allez, je vais chez qui? Tu vas chez Brigitte. Brigitte. Bonne chance avec Brigitte, Cédric. Ouais, bah oui, écoute. Je suis précoce, en fait. Ouais, Cédric. Bon, Brigitte. Brigitte. Bah oui, c'est Brigitte. C'est parti pour Brigitte. Je croise les doigts. Pourquoi faire, tu croises les doigts? Pour Cédric. Ah, bah, c'est gentil. Allô, Brigitte. Pour qui lose? Allô? Oui. Comment ça va, Brigitte? Tu vas bien? C'est Marc au téléphone. Voilà. Oh, attends. Ouais. Ah, on n'a pas perdu de temps. C'était même plus rapide que Romano il y a un instant. Ah, tu pouvais bien te foutre de ma gueule, tu vois. Mais bon, c'est lui qui a été invité une fois, je te rappelle. T'es pas mal. Ouais, bon, attends, là, il a rien été invité du tout. Il se faisait traiter de bâtard. Ben oui, mais 21 fois, c'est quand même pas mal. Mais toi, bon. T'as rien fait, mon pote. À toi, Romano. C'est allez. Il est numéro 8 pour toi. Chez Olivier. Ce sera peut-être le dernier coup de fil du clash et après, vous pourrez peut-être voter. En tout cas, on n'est pas loin des votes du clash. À Catherine. Il faudrait savoir, là, déjà, c'est panique à mort. C'est Catherine. C'est Catherine. Allez. Allô? Allô? Ouais. Ouais. C'est pas Catherine, ça? Catherine. Catherine, c'est ta femme? Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est Jean-Louis à l'appareil. Ouais, je fais Jean-Louis, moi je m'appelle. Dis-donc, tu sais, je suis Père Noël là, je fais Père Noël, tu sais, je me déguise là pour les gamins dans les supermarchés là. Tu m'entends? Olivier? Tu cherches Catherine qui? Bah, elle est ta femme, c'est elle que je veux. En fait, parce que je voudrais la prendre pour qu'elle fasse Mère Noël avec moi demain là. Et je voulais passer la voir ce soir pour tester un peu la Mère Noël, là. Voir un peu comment ça se passe quoi. C'est qui toi, mon gars? Bah, je suis un copain à elle, tranquille. Je voudrais venir la voir ce soir-là, tu sais, que ça, je passerai un petit moment avec elle dans la chambre à coucher, ça te dérange pas trop. Je peux venir? C'est quoi ces conneries, là? Non, mais c'est pas des conneries. Moi, je suis Père Noël, elle va faire Mère Noël. Père Noël, Mère Noël. Ouais, et puis moi, mon panneau dans la gueule, tu le veux? Bah, si tu veux que je vienne, je peux venir tout de suite. Ah bah, viens chez moi. Eh bah, j'espère que je vais venir. Par contre, moi, je te préviens, je vais m'occuper de ta femme, hein. Allô? Olivier?
Mais il s'appelle ce con. Olivier, il s'appelle. Elle le passe con, il s'appelle Olivier. Pas gentil, Urbano, il était gentil, je le monsieur. Crois que t'as raccroché. Il t'a invité. Mais non, attends, il est pas coupé là. Si, si, il a coupé là. Quand est-ce qu'il a coupé? Il a dit ce con. Eh non, mais je savais plus comment il s'appelait ce mec. Il s'appelait Olivier. Ouais, il était gentil, Olivier, il t'a invité. Bon, j'ai été invité à prendre un coup de poing sur la gueule. Bon. Alors, on est à une invitation partout. Bon, allez, allez, allez. C'est serré, c'est serré. Ah ouais, allez, un troisième tour. Qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Ouais, troisième tour, vas-y. Tu veux un troisième tour? Tu tentes le tout pour le tout. Ah bah ouais. Très bien, Romano. Moi aussi, je tente tout. J'ai l'impression d'accord, que c'est toi aussi, tu tentes tout. Je crois qu'il est mal, le man, vous l'avez entendu tout ça. Alors attention. Non, non, je suis pas mal, gros, je me suis fait inviter, j'en ai fait autant que toi, voire plus. Enfin, moi, c'est voire plus, bah écoute, moi, il y a un coup de poing dans la gueule, toi, mis à part te faire insulter de bâtard, il n'y a rien, ma gueule. Bâtard. T'es bâtard, t'es juste un bâtard. Bon, alors, allez, on y va. Ligne numéro 8, ça sera ton dernier coup de téléphone pour toi. Vas-y. Chez Christophe. Dernier coup de téléphone. Pour toi. Je vais chez Christophe. Cédric, chez Christophe. Allez. Tu sais pas faire un numéro, Karim. Allez, fonce dans le mur, ma gueule. Regarde, il y a des chiffres sur des, allez, sur des ronds. Ah, j'espère que tu vas bien foirer comme celui que t'as fait là. Ta gueule, toi. Fais comme quel le deuxième. Quel mauvais joueur, celui-là. Fais comme le deuxième. Ok, bah, j'espère que tu feras comme ton premier, tiens. Ah. Allô. Allô. Ah, bonsoir, est-ce que Christophe est là? Oui. Ouais, tu me le passes, s'il te plaît? Oui. Merci. On va donc chercher Christophe. Ouais. Allô. Ouais, Christophe. Ouais. Bon, comment ça va, ma poule? Ça va, et toi? Ouais, dis-moi, je voulais faire un petit cadeau à ta femme ce soir, c'est possible ou pas? Ah oui, c'est possible, oui. Ouais, je voulais passer à la maison. Ouais. Ouais, je lui fais un petit cadeau, genre je joue le Père Noël, et puis bah après, je lui fais l'amour, quoi. Oh non, mais attends. Top, non, ta gueule, attends. Allô. Ouais, ouais. Bah, c'est possible ou pas? Ouais, tu peux passer, ouais. Bon, bah écoute, je viens à la maison, je lui fais son cadeau, après je lui fais l'amour toute la nuit. Ça marche. Et si tu veux, tu pourras même regarder, et à la limite, je t'expliquerai deux, trois trucs. Ouais, ok. Et si tu arrives, après, tu pourras faire comme moi. Ok, ça marche. Ok, bon, bah écoute, mon petit pote, j'arrive, hein. Bah, tu viens sans faute, hein. Bah, prépare tes fesses au cas où, si ça se passe bien entre nous deux, on fera un truc. Ah, bah, pas de problème. Bon, bah, tout de suite, j'arrive. Bon. Voilà, ça marche. Merci, allez. Bravo, bravo. Merci, Cédric. Ouais, ouais, bravo, mais alors, Cédric, par contre, tu t'es lâché parce que, à un moment, j'ai cru que tu as fait exactement la même méthode que Romano, je suis le Père Noël. Ah, ouais, 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 non, bah, attends. Je suis Père Noël. Si, tu l'as dit. Ah, je suis en point sur le truc. Bon, alors, Cédric, tu dis que t'as pas dit Père Noël. Attends, il a dit qu'il a pas dit Père Noël. Alors, ouais, bah, attends, je fais mon appel. Si, tu l'as dit. Ah, j'ai pas dit. Bon, ferme ta gueule. Ah, message sur SMS, Aztec du 75. Eh, va falloir de rire, Cédricain s'invente une vie. Trop débat. Non, mais ouais, le mec, normal, tranquille. Encore pire que d'habitude. Bon, tous les coups sont permis. On a eu. Non, tous les coups sont pas permis, non. On a eu la démonstration de ta mauvaise foi, Cédric, en direct. Là, vraiment, il y a pas. Là, vraiment. Vas-y, moi. Par contre, bravo. Bravo pour le clash, car il a serré, Romano. Tu rigoles, tu rigoles. En volant ma méthode, c'est pas trop dur. Eh ouais, mais il a serré. Normal. Premier appel, j'ai l'invitation. Dernière famille, je me fais inviter. Je vais niquer la femme, je vais niquer le mec, tout tranquille. Et dernier coup de fil pour Romano. Allez, attention, attends, c'est pas fini là. T'as la pression sur tes épaules, Romano. Les petites épaules. C'est bon, moi ça va chier quand même. Ah, ça va chier les bulles, je vous le dis. Bon, c'est le dernier coup de fil. C'est qui alors? Et après, vous pourrez voter. Moi, j'attends. Bon, alors, t'attends, on appelle Sébastien. Sébastien. Bonne chance, Romano. C'est ta dernière chance. Dernière chance. Ah, tu sais pas faire un numéro, Karim. Non mais si, regarde, je t'ai dit, il y a des touches. J'entends pas, moi. Non, non mais ça marche pas comme ça. Il fait un autre numéro. Il faut faire vite, là, parce que je vais pas vous cacher que j'ai envie de pisser. Je Dis les mal, le man. Non, non, mais c'est j'ai envie de pisser. Mal, ça monte, genre, je crois que j'ai envie de pisser peut-être dans la bouche. Viens, on appelle Olivier. C'est drôle de délire, toi. Concentre-toi, Romano, tu vas foirer ton clash ce soir. Allô. Allô, c'est la femme d'Olivier, ça. Oui. Oui, bonsoir, Olivier est là. C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. D'accord. Merci. Vous le passez. Merci bien. Voilà. Alors. Et Jean-Louis. Ouais, allô? Ouais, comment ça va? Ça va. Ça va, c'est Jean-Louis, là, pareil. Ouais. Ouais, je t'explique. Tu sais, je suis Père Noël dans les supermarchés, là. Demain, je suis dans le supermarché du coin. Et je recherche une Mère Noël. Et j'avais pensé à ta femme. Ouais. Ouais. Donc, je voulais savoir si je pouvais passer à la maison, là. Tout de suite pour l'avoir un petit peu. Et un peu c'est la. Qui, là? C'est moi, je m'appelle Jean-Louis, moi. Ouais. Ouais. Et donc, je voulais passer, tu sais, m'occuper un peu de ta femme, quoi. L'entraîner pour demain, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Ouais, tu vois. Un peu, je vais faire l'amour avec elle, quoi, pour être clair. Ouais. Ça te dérange pas? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Bah, écoute, c'est parfait, ça. Bon, alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma petite voiture. Puis, je vais venir. Petite. Je vais venir m'occuper de ta bonne femme. Hein? 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 Ça serait là.
Elle sera, bah, j'espère qu'elle sera là. Mais toi aussi, tu seras là. Ouais, moi aussi. Bah, toi aussi, bah, écoute, t'inquiète pas, t'en auras aussi, toi. Je vais m'occuper de ton cas. Je vais m'occuper de ton petit anus, toi. Oh. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. T'es content? T'es content? J'arrive dans 5 minutes. Non. Oh. Ah, si, si. M'a dit non, venir. Non, je crois qu'ils sont pas les couilles. Il m'a dit de venir. Ouais, t'as accroché à la gueule. Mais là, il avait déjà l'anus écarté. Alors, j'ai l'impression que ça va être très serré, tout ça. Ah, bah, attends, on va lui écarter. Qui va gagner le clash de ce soir? Qui sera le meilleur? Réponse dans un instant. On lui écarte le cul, joyeux Noël. Qui aura, qui aura un beau cadeau de Noël. Eh bien, on en reparle tout de suite sur Skyrock. Bonjour, je suis Jean-Louis David sur la chaîne S-Line, Guy, pour le clash de Noël. Et oui, va-t-il retomber de sa chaise tout de suite avec les résultats du clash? Allez. Je viens de les découvrir. 50,4 pour le gagnant. Putain. 49,6 pour le perdant. Ça fait chier de perdre du jour de Noël. C'est le jour de dernier réveillon. On peut même dire que ça peut être un de vos cadeaux de Noël. Ouais, ouais, bah, je fais 50-50 et vous gagnez tous les deux. Bon, il y a de la merde. Ah non, ça marche pas comme ça, non. Ah, vous voulez pas partager? Jamais de la vie. Sauf si je perds. Ah ouais, non. Faut me dire avant, non. Non, si je perds, on partage, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ah non, mais ça marche pas. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est pas possible. En tout cas, les deux teams étaient d'attaque et ça fait plaisir. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Tu fais 49. Ah, fais chier, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que t'as tout mélangé, Momo? Je n'arrive pas à lire les résultats. Mais non, tu t'es trompé, man. Je me suis trompé, comment je me suis trompé? Romano, 49,6. Non, Romano 50,4. Ah, Momo, t'es un porc, t'es dégueulasse. Ah, c'est mal écrit, Momo, il a raison, Cédric. 50,4 donc pour Romano. Ah bah, je te baise. Joyeux Noël, mon boudin. Et 49,6 pour Cédric, c'est bien ça. Ouais, c'est de gros lard. Joyeux Noël, mon gros dindon. Putain. C'est mignon. Oh, merci en tout cas à ma team Romano, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Vas-y, on fait. Je vous aime, I love you, Merry Christmas. Vas-y, viens, on fait 50-50 pour Noël. Thank you. 50-50, non. Suck my dick. Vas-y, 50-50. Rien du tout. Ouais, puis Romano, il a dit que les cadeaux de Noël, c'était demain. Ouais, c'est demain, de toute façon. Donc ce soir, il n'y a pas de cadeau, j'ai gagné. Merci. 50,4. Merci pour le clash de la drague. Bravo, les deux clasheurs. Merci, merci. Avec vos deux Je me suis lavé les cheveux avec du shampoing et je les ai rincés avec de la crème démêlante. Je dois aller faire des courses en ville car je n'ai plus de brosse à dents. Et à part ça, je suis en pleine forme. Sourire arrive sur les sourire arrive sur les lèvres magnifiques de Romano. Oui. Comme tu as l'air content. Ma bouche pulpeuse. Ta bouche pulpe très fort ce matin. Eh ben parce que ce matin. C'est normal, c'est l'heure des conseils pas chers. Et c'est l'heure du Père Noël. L'heure du Père Noël, mais c'est pour ça. Eh oui. Si heureux ce matin. Le Père Noël. Cédric. Ouais. Cédric, le Père Noël arrive. Putain. Prépare-toi, le Père Noël arrive. On n'a pas de cheminée. Il va passer par les radiateurs. Cédric. T'inquiète pas. Oh ouais. Putain, il arrive à passer, il est trop fort. Il est fort le Père Noël, c'est ouf Cédric. Allez, c'est parti. Mais allume ton micro, on ne t'entend pas. Ah mais non, c'est pas le bon qui était ouvert. Ah bah oui. Bah écoute, vas-y, tu peux le refermer. C'est les conseils pas chers. Un professionnel. C'est ton métier d'appuyer sur les boutons. Ouais. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oh, c'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on crie au téléphone ce matin? Explique-nous, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Ah bah c'est tout simple, la ligne du Père Noël vient d'ouvrir. Oui. Ligne du Père Noël, les gens vont parler avec le Père Noël, ils vont être contents. Et après, à la fin, sans doute moins, parce qu'ils vont payer. Eh bien oui, c'est ça la vie. Eh oui, ils vont payer. Et il faut payer, tout est payant aujourd'hui, c'est fou, même le Père Noël. Oh, dis foule, tu vas m'introduire auprès des familles. D'accord, je suis donc ton assistant personnel, Père Noël. C'est ça, exactement. Bonjour Cédric. C'est ça, ouais. Bonjour ça va, cool. Papa Noël. Oh, mais comment vas-tu? Ça va, allez. Oui, non, ça ne va pas, vu ta gueule. Alors, c'est parti. Est-ce que l'appel est surtaxé? On nous demande même, bien sûr. Ah, bien surtaxé. Évidemment qu'il est surtaxé, l'appel. Bon, allons, on commence par Bernard. C'est parti chez Bernard. Oui. Allô? Oui, bonjour, la femme à Bernard. Allô? Oui, bonjour. Bernard m'a dit de vous appeler. C'est la ligne du Père Noël au téléphone. Il voulait vous faire une surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est la ligne du Père Noël et je suis avec le Père Noël ce matin. Oui? Eh oui, il est là derrière. Viens voir, Père Noël. J'ai la femme à Bernard. Oh, bonjour la femme à Bernard. Je suis le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour. Quel est ton prénom? Bon, écoutez, je suis dans mon bain. Oh, ouais, tu m'excites, je suis en train de bander, là. Oh, vas-y. Oh, il va neiger, là. Le Père Noël va neiger. Oh, allô. Oh, 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 oh.
Oh, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Ça va pas, Père Noël? Oh, j'étais très excité, excusez-moi. Il s'est lâché. Le Père Noël, c'est normal, ça fait un an qu'il a vu personne. Ah oh, ouais, j'aimerais voir le loup. Il est tombé sur la femme à Bernard, forcément. Oh, est-ce que je pourrais en avoir un autre? Ouais, bah ouais, si tu veux. Là, on va chez André. Merci, Cédric. Bah, de rien. Père Noël. Ouais, c'est ça, ouais. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va monsieur, merci. Ça va bien, je vous appelle, je suis avec le Père Noël ce matin. Ah bon? Oui, je vais vous le passer. C'est merveilleux, hein? Ah, c'est merveilleux. Oui. Dites-lui bonjour Père Noël, on va tous l'appeler ensemble. Bonjour Père Noël. Bonjour Père Noël. Oh, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, non, appelez le Père Noël, vous pouvez l'appeler Père Noël. Hein, appelez-moi. Père Noël. Bonjour, quel est ton prénom? André. André, mais tu as quel âge André? Oh, je suis vieille, 60 ans. Oh, mais tu es encore très jeune André. Mais oui. André. André. Oui. Oui, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Oh, oh, oh. Tu me ferais plaisir pour Noël? Oui. Une tablette. Une tablette de chocolat. Oh, c'est la magie de Noël. Tu aimerais avoir un iPad? Oui. Oh, eh bien malheureusement, cette année, je n'ai pas assez de sous pour te l'acheter. Je peux te faire un bisou? Oui. Mais la communication te coûtera la modique somme de 50 euros. C'est ça, oui. Lorsque tu vas raccrocher. Pour Noël, la magie de Noël n'a pas de prix. C'est comme le Père Noël. Hein. Oui, ça n'a pas de prix. Ah bah le prix, c'est 50 balles. Ah si, elle a un prix, la magie de Noël. 50 balles. André. Oui. Oui, donc lorsque tu raccrocheras, tu seras débité sur ta facture téléphonique. Automatiquement, comme ça. C'est la magie de Noël, ça aussi. Et je te souhaite un joyeux Noël. Il faut raccrocher, André. Faut dire, joyeux Noël, Père Noël, quand même. Et merci. Ah bah, à ce prix-là, tu peux, hein. Faut pas dire merci. André. André. Mal poli. Oh bah alors. Elle fait la gueule, je crois. Elle n'ose pas raccrocher. Elle n'ose pas raccrocher. André, il faut raccrocher maintenant. Il faut que je débite. J'adore les bites. Non, ça n'a rien à voir. Non, je vais débiter. Oui. Père Noël, je crois que Cédric veut te parler également. Bonjour Cédric. Non, j'ai pas envie de te parler. Oh, comme tu as quatre beaux mentons. Bon ben André, on attend que tu raccroches, on te souhaite une bonne journée. Allez, André. Ah bah voilà. Oh, quand même. Et ben voilà. Ah, bah voilà. Ah, très bien. Et voilà, débité sur la ligne du Père Noël. Oh, c'est un Noël magique. Ah bah oui, 50 euros pour vivre la magie de Noël grâce à la ligne du Père Noël. C'est beau. C'est beau. On l'en dit full. Oui. Pour avoir le numéro. Je vais te donner le numéro du Père Noël. Dis-moi sans eux, Cédric. J'ai des trucs à lui dire. Okay, je vais le récupérer. J'ai des commandes à passer. Ok, pas de problème. Oh, mais je t'attends, Cédric. N'hésite pas à m'appeler. Allez, allez, allez. Venez le numéro à 100 balles. Tu veux un Turboman pour Noël? Tu crois peut-être que je vais venir dans tes bras? Hey, rassure-toi, je préfère les blondes. Je suis drôle. Eh bien, tu vois, mon grand, à cause de ton attitude, je vais garder pour un autre le cadeau de tes rêves. Tony, montre-lui. Je me bats pas avec des clowns de Noël. Et joyeux Noël encore à vous. Merci de passer ce Noël avec nous, cette veille de Noël avec nous. Et j'ai en exclusivité ce soir sur Skyrock, voici le Père Noël. J'ai tellement l'habitude de l'avoir dans le morning avec nous. Ah bah ouais. T'es pas venu beaucoup dans la radio libre, Père Noël. C'est gentil. Mais je suis seulement de passage car je vais commencer la distribution des cadeaux. Mais à minuit, j'avais dit le Père Noël, il existe, il parle. Bah ouais, regarde. Il va venir. Mais je ne suis pas venu tout seul. J'ai également des lutins. Oh là, il y a des lutins. Ouais. Bon. Voilà. Alors les lutins. Ah, les lutins, ils sont malades. Bah, qu'est-ce qu'ils sont? Excusez-moi, ils sont un peu concons. Ah, bah oui. Dites bonjour, les lutins. Bonjour, les lutins. Bonjour, Skyrock. Ouais. Comme c'est mignon. La magie de Noël. La magie de Noël sur Skyrock. Je vais pas trop. Oh. Voilà, fais-moi gagner un cloche. Oh, ce n'est pas possible, puisque Papa Noël vote pour Romano. Eh bien sûr. Dans une demi-heure, le clash spécial Noël. J'espère qu'il va bien te baiser. Ouais, okay, tiens, en parlant de baiser, Pamela aussi, tout à l'heure. Oui, bonsoir. Pamela, avant minuit. C'est le spectacle ce soir. C'est dingue. Je vais faire un one-man show bientôt. Et demain, livraison des cadeaux de Noël. J'étais avec le Père Noël. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé avec. Oh, non, ne dis rien. Père Noël, il a bouilli. Il a bouilli, Pamela.
mais là. Avant sa tournée. Avant sa tournée. Dans son oh, machin. Je lui ai mis sa tournée, oui. Bon, allez, avant les cadeaux de Noël de demain, donc je rappelle que Romano m'a fait une tablette, que toi, on t'a demandé ce que tu voulais comme cadeau, t'as dit de l'argent. Ouais, du cash. Une télé, il a dit. Bon, ouais, c'est tout trouvé. Ouais, une télé bien grande, sinon. Une télé plate, t'avais dit même. Mm. Ouais, ouais, parce qu'il y a un gros tube. Ouais, non, ouais ça serait un peu lancé comme cadeau. Pour l'accrocher au mur, c'est galère. Bon, là, je t'ai acheté une nouvelle télé vintage. Ah, ouais, c'est bien. J'accroche un écran à gros tube au mur. C'est joli. Marie, cadeau, ça va être de l'alcool. Oh, bah oui, certainement. Ouais, ouais. Une bonne bouteille, Marie. Une bonne bouteille de pif. Une cuve. Ouais. Et Cédric, comme cadeau moi, beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Tu me diras si dans un instant, le petit cadeau que je vais te faire, tu seras le seul à avoir un petit cadeau ce soir. Alors, après, vous allez, privilégier. Vous allez encore dire qu'il y a du favoritisme, tout ça, etc. Mais bon, Cédric, tu auras quand même ton petit cadeau dans ah, un instant. Ah, c'est gentil, dit Foul. Bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas, il va jouer ailleurs. Allez, allez, dégage de là. Voici, dans quelques secondes, l'arrivée de Pamela. Coucou! Pamela qui est un petit peu occupée avec, écoutez, un, moi, je... avec un vieux type avec une grosse barbe. Mais c'est qui ce type qui oh te. Non, viens là que je t'encule! Non, mais. Oh. Non, Pamela, non, Père Noël, il faut que je passe à l'antenne! Mais dis donc, le Père Noël est chaud ce soir. Oh, mais viens là. Bon, Pamela, et on va vous montrer la magie oui, de Noël. Oui, bonsoir, excusez-moi, je remets ma culotte. Bonsoir, Pamela. Ah ouais. Mais tu es toute pleine de neige sur le oui, visage. C'est le Père Noël, il ah en a beaucoup. Ah, il est enneigé. Il y a les rennes qui se sont mis sur moi aussi. Ah oui. Ah bah dis donc, c'est propre. Ouais. Et ouais, avec Pamela, là, tout ouais de suite. Oui, oui, oui. Ouais, Pamela de Noël. C'est moi. Oh là, ça sent bien. Un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. Mais tu m'as l'air d'être excitée ce soir, Pamela. Oh, mais je suis survoltée, dis donc. Le Père Noël m'a mis sa tournée. Oh. Oh. Arrête. Oh, c'est trop bon. La magie de Noël, c'est magnifique. Ah, c'est mignon, c'est romantique. J'adore. Et puis demain, ça va être super parce que demain, j'attends mon cadeau, ma tablette. Ça va être super. Wow. Tu sais, Pamela, Romano va m'acheter une tablette, mais une vraie. Hein. Je suis au courant, le Père Noël l'a dans sa hotte. Ah, tu l'as vu, hein. Elle est fouillée oui, dans sa hotte. Ouais. J'ai pas vu que sa hotte au Père Noël. Ah, d'accord. Voici un pervers de Pamela, découvert cette année, l'homme le plus aigri du monde. C'est lui, le pervers le plus aigri de tous les réseaux. On l'a découvert, il s'appelle Guy. Oui, bonjour, je vous téléphone à propos de l'annonce que vous avez fait paraître. Donc, bah, écoutez, vous pouvez me joindre sur mon téléphone portable. Oui. Donc, au 0770. Ouais. Merci beaucoup. Et je rajouterai aller vous faire enculer. Ouais, fais pas chier. Voilà. Ouais, fais pas chier, appelle et fais pas chier. Et ben c'est parti, voici donc la rencontre. Allez, c'est parti. Les gris de l'année. Ouais, les gris de l'année, c'est lui, c'est Guy et Pamela. Allô, Guy ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, comment tu vas ? Ça va bien, je te remercie, ah, mais j'étais en train de m'endormir. Oh, bah tu fais. T'es tout le temps en train de gueuler, toi. Je suis pas en train de gueuler, j'étais juste en train de te dire que j'étais en train de m'endormir. Ah, bah là, bah tu vois, je t'ai réveillé, donc maintenant tu restes avec moi. Ouais, mais pas longtemps. Alors, comment vas-tu ? Très très bien, impeccable. Alors, t'es disponible quand? Bah, je t'ai dit, généralement les lundis, donc là j'ai déménagé, donc il me reste encore un déménagement un petit peu, quelques meubles encore à amener lundi prochain, et après j'aurai fini. Donc après, je serai libre tous les lundis. Ah bah écoute, moi le lundi... Bon bah donc ça sera pas le lundi là, mais le lundi d'après. Sans aucun problème. Eh bien écoute, pas de problème, comme ça tu me feras visiter ton nouvel appartement. Eh ben sans aucun problème, avec grand plaisir. Ah, il est... tu as un grand lit. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, très casse pas. Ah. Donc, ce que tu fais, tu me téléphones milieu de semaine prochaine. Oui. Toujours en numéro masqué, donc tu me rappelles en milieu, début de milieu de semaine, et puis il n'y a pas de problème, on voit ça pour lundi prochain. D'accord. Et tu m'invites au restaurant? Bah, attends, s'il y a que ça, oui, il n'y a pas de problème, c'est à voir. Ah, bah, très bien, oui. Bon, un petit restaurant, j'aime bien me faire inviter par les hommes. Ouais, bah pas de problème. Faut payer, hein. Le restaurant. Ah bah, si je t'invite, obligatoirement je paye, sinon ah c'est bah plus d'invitation. Ah, très bien. Bon bah écoute, c'est parfait tout ça. Sinon, okay, tout s'est bien passé dans ton déménagement. Impeccable, très très bien. Mmh. Ah. Très très bien, très très bien. Alors, on pourra peut-être baiser dans les chiottes du resto. Non, peut-être pas quand même, non. Pourquoi? Allô? Bah, parce qu'on n'a rien à foutre dans le restaurant, tout simplement. Bah, si tu m'invites au resto, tu me culbutes dans les chiottes. Ah, dans le resto dans lequel on va manger, ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, oui, bah écoute, moi je suis. Ouais, ça va voir. T'as une voiture, toi? Oui, j'ai une voiture très gaspard, ouais. J'adore me faire baiser sur le capot, moi. Bien sûr, quand il est bien chaud. Ah oui, comme ça, ça fait des UV pas cher. Ouais, enfin des UV, je sais pas, mais bon, ça te réchauffe au moins les fesses. Ah, bah j'espère que tu sauras me les réchauffer autrement, quand même. Bah, y a pas de problème, ça sera à voir. T'as un bon goût, toi, ou t'es comment? Bah, je sais pas, faut tester pour voir. T'es pas précoce? Moi aussi, très précoce. Ah, parce que je suis tombé sur un ami. Un gars qui s'appelait Cédric.
Déjà ouais. Une gueule, mais incroyable. Il avait quatre mentons. Incroyable. Incroyable. Ouais, sûr, ouais. Les yeux complètement exorbités. Ouais. Et les dents coco lapin. Ce soir-là, j'avais vraiment la dalle. Hein. C'est le, clair. Le mec m'a arrosé le gazon, comme on dit. Hein. Mmh. Même pas le temps de faire un aller-retour qu'il avait déjà craché le cognon. Oh, bah ouais, effectivement, ouais. Ah oui, bah ça, j'en rigole encore. Ah la brute, il y a le moche. Ouais, le problème, c'est que voilà quoi. T'es pas trop moche, toi. Non, ça va, non, non. Non, moi je suis pas trop difficile, va. Mais. T'as une moustache. Oui, une grosse barbe. Ah. Non, j'ai pas de moustache, pas de barbe. Mais de toute façon, je t'ai dit, ce que tu fais là, parce que là, je t'ai dit, en plus, avec le taf, je suis crevé. Mmh. Au téléphone, moi, au milieu de semaine prochaine, et on verra lundi prochain. Et ta chienne va mieux? Ma chienne. T'as pas de chienne? Pourquoi tu parles de ma chienne? Bah, parce que tu m'as dit que tu l'emmenais chez le véto. Ah non, c'était pas toi. Non, ça devait pas être moi. Non, là, je crois que tu confonds. Hein. Bah, si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Non. Bah, l'autre fois, tu m'as. Ah, bah, t'as un gros mytho. L'autre fois, tu me disais que t'emmenais ta chienne. Non, je t'ai pas dit que c'était pas moi. Je t'ai pas dit que c'est moi qui emmenais la chienne chez le véto. J'ai dit que mon père emmenait son chien chez le véto. Ah, très bien. Voilà, donc c'est pas moi qui emmenais ma chienne. Non, non, mais bon, je prenais des nouvelles, tu vois. Je m'intéresse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je m'intéresse à toi quand même. Oui, à ma chienne surtout. Ah, ouais, tout. C'est très drôle. Tu as beaucoup d'humour. Je sais pas. Ah, bah, arrête. Donc, ce que tu fais, tu me retéléphones Oui. Tu me retéléphones la semaine prochaine et puis on voit ça. D'accord, bah écoute, très bien. Bah, bonne nuit, mon Patrick. Non, c'est pas Patrick, non. Ah non, toi, c'est qui? Ah non, c'est pas vrai, non, c'est pas Patrick. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Tu peux m'appeler Franck, Patrick, du gland, du con, peu importe. Hein. Je vais t'appeler du con. Ouais, appelle-moi du con si tu veux, ouais. Ok. C'est qui du con? Bah, mais tu m'appelles comme tu veux, y a pas de problème. Ah, bah, je vais t'appeler comme ça. Ça sera notre petit moment. Eh, bah, appelle-moi comme ça alors. Ouais, pas de problème. Eh bien, je te rappelle la semaine prochaine, bisous, Guy. Sans problème. Excuse-moi, du con. Bonjour, bonne nuit, du con. Ouais, pas de problème. Bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Guy, du con. Ouais, joyeux Noël. Ouais, appelle-moi du con. Ouais, c'est ça, du con. Ouais, appelle-moi du con, ouais. Voilà, c'est notre Pamela de Noël. Et pour demain, le jour de Noël, demain 25 décembre, jour des cadeaux, mais jour de Noël aussi. Et en cadeau, vous aurez droit à votre petite Pamela demain soir. Et votre problème du mois aussi demain. En attendant, Pamela, viens avec moi. Oh, oh, oh. Merci, Père Noël. Merci, Pamela. Et merci surtout à Dorian, ce charmant. Joyeux Noël à tout le monde. Et à Guy en particulier. Oui, à Guy. Tu passes Noël avec lui, mais je pense que tu te tires une balle. Ouais, tu finis pas la soirée. Ça, tu m'étonnes. Ouais, c'est Guy. Ouais, je suis banal, ouais. Ouais, ouais, je suis banal. Et en plus, tu te fais chier, hein, Guy. Ouais. Qu'est-ce qu'il est aigri, celui-ci, hein. Appelle-moi du con si tu veux. C'est Guy du con. Bon, alors après, Guy du Attends, Père Noël. Polar. Eh les gars, vous abandonnez ou vous en refoulez encore? Les conseils pas chers, c'est parti, on va parler justement repas du réveillon de Noël. Ah. C'est conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. En plus ils sont pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. En plus ils sont pas chers. Elle va nous manquer cette chanson en 2015. Ah, on pourra la garder? Bah non, c'est fini Noël après. Oh non. Ah ouais. Non mais Carriole, attends, cette année on l'enlève quand le sapin? Je fais pas février-mars. D'accord, très bien. On va peut-être garder les jingles de Noël jusqu'en juin. Ouais, bon. Allez, on fait un kiff. Bon, alors, oui. Alors attention, c'est le boom de la dinde. Le boom de la dinde, écoute bien ça Carriole. Écoute le boom de la dinde. Pour Noël, il nous manquait une dinde. Mais heureusement, Carriole est là. Eh bien justement Carriole, je t'annonce que tu vas jouer un rôle. Le rôle de la dinde. Oui. Alors un truc de dingue, en 30 ans... De dinde. La consommation de dinde a été multipliée par 6 en 30 ans. Écoutez bien, on mange l'équivalent de 41 dindes toutes les minutes. Là, c'est-à-dire que 8h18, il y a 41 dindes qui sont en train d'être bouffées. Toutes les minutes en décembre en France, c'est la dinde. Ah, comment décembre? Ouais, qu'au mois de décembre, ouais. 2,47 millions de dindes. Ouais, c'est un peu moins. 2,47 millions de dindes finissent dans une assiette à Noël. Oh. Dans une assiette, oui. Oui, si, si. Un miel. Si, si. Et ce matin, j'amène la dinde vivante. Elle Et est là. Oui, c'est moi. Tu es dindier. Ouais, c'est ça. Tu veux faire le bruit de la dinde? Ah, je sais pas, je vais voir. Si, allez. Vas-y, fais-nous boulom, boulom. Attends, on va voir. Fais trop bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est la femme de Fabrice. C'est la femme de Fabrice? Oui. Oui, bonjour, comment elle va ce matin? C'est qui à l'appareil? Eh ben c'est le dindier. Le dindier. Parce que Fabrice il m'a commandé une dinde. Et je l'ai avec moi, elle est dans la voiture. Bonjour, goulou goulou.
Super. Elle est là. Elle Attendez, c'est le vrai de vrai, hein. Ah, ouais. Merde, elle est partie. Tu vois, c'est pas crédible. Non, mais tout tu, de suite, si, si, tu l'as fait bien. Il vaut mieux parler, dire bonjour. Ah, bon, entraîne-toi un peu. Vas-y. Non, mais je crois que t'aurais dû faire gouloum, gouloum. Ouais, parce gouloum, que t'as dit bonjour. Dire bonjour. Mais je suis une poli. Oui, mais une dinde, car elle ne parle pas. Oui, bonjour. Giuseppe. Giuseppe. Non, c'est son épouse. Ah, comment elle va, l'épouse de Giuseppe? Ça va. Ça va, ça va. Il est là ou pas? Non, il travaille. Ah, parce qu'en fait, c'est le dindier à l'appareil. Ouais. Ouais, parce que Giuseppe m'a commandé une dinde. Et donc, moi, ouais, je l'amène ce matin. Ben, là, elle est dans la bagnole, elle est avec moi, elle va te dire bonjour. On dirait des you-you. Ouais, c'est la dinde. Bon, eh, hey, putain. C'était la dinde, hey, du Maroc. Foirée, hein. C'est ça. C'est la dinde du bled, bon, quoi. Bon, bah, non, désolé. Hein, Il n'a pas une petite dernière. Allez, une petite dernière, allez, pour la route. Moi, je dis bonjour cette fois. Non, non, carriole. Fais gouloum, non, gouloum. T'emmerde pas, fais juste gouloum. Voilà, fais simple. Gouloum, gouloum, gouloum. Gouloum, 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 et tout va bien là. Ça fait ces bruits là-dedans. Allô, allô, Robert. Allô, Jean-Pierre. Non, Robert. Robert. Oui, Robert, oui. Oui, bonjour, Robert. Va bien ce matin? Oui. Ouais, bon, je suis le dindier, moi. Le marchand de dinde. T'es le marchand de dinde? Le marchand de dinde. Ah, là, je suis dans ma voiture, là, avec ma dinde à côté. Elle est posée. Il y en a partout, il y en a plein la bagnole. Je t'en avais une ce matin. Mais on le parleur, c'est ah, il y a ta femme. Ah, ben justement, il faut que je vienne la rechercher, c'est échappé. Viens par là. Eh, viens par là, j'ai des bonnes graines. Elle est où la femme? La femme à Robert? La femme à Robert, faut venir dans l'enclos, j'ai besoin de toi, Noël. Elle fait le même bruit qu'une dinde, ouais, ouais, ouais. On comprend rien. Elle est à moi. Je l'avais appelée femme à Robert. Ben voilà. La femme à Robert. Oh. Oh. Elle veut pas rentrer, la vilaine. Eh bien, une dinde, une. Non, non, je l'ai. Je l'ai. J'ai le Turboman géant avec les trucs qu'il lance du bout des doigts et les réacteurs dans le sac à dos, double pack, et la voix activateur volumétrique qui dit. Turboman arrive! Avec les trucs qu'il lance du bout des doigts et les réacteurs dans le sac à dos double pack! Ah, c'est là! C'est ça, caca Noël! Monsieur Rocky, caca Noël! Copain qui vient des intestins! Va sur le trône et tu verras! Pousse un peu, il sortira! Le voilà! Il est tout chaud! Te salue par un hardy! Bonjour, caca Noël! A vu la dans ton le bête, il est tout attendri là. Peut-être moelle, il peut être rugueux, marron, couleur cornichon. Mais si vous mangez des fibres et des fruits, il viendra cette nuit. C'est le petit caca Noël. Il descend pas du ciel, mais c'est tout de même notre copain. Je sors monsieur qui est pas loin. Quelle est la voix de... C'est caca Noël. Je vous salue. Je viens pour Noël, c'est bien. On va danser. Oh, tu as tué caca Noël et t'as tiré la chasse. Pourquoi il est coupé caca Noël? Attends, parce qu'on lui connaît. Avant que je sois tout desséché, jouons un jeu de délire. Avec moi dans la bouche, essayez de dire. Andy, ho, ho, miam, miam, miam. C'est Noël, je le proclame. Parfois il est mou, parfois bien ferme. C'est les chansons sont le caca. À votre cul ne tombe pas dans les toilettes. Il est coincé dans le sphincter et il se décroche pas. Alors on doit remuer son cul pour qu'il tombe dans la cuvette. Voilà, ça y est. Monsieur Rocky vient un seul jour. Noël fini, il sera parti. Mais nous garderons dans nos cœurs tant son esprit que son odeur. Dans mon slip, caca Noël. Ah non. Ah, c'est ça, oh. Ouais, c'est holy ça. Oh, holy. Il saute. C'était le caca Noël. Ouais, ouais. Il est super, caca Noël, non? Ouais, ouais, c'est caca Noël. Bon, ben bah, merci à caca Noël de sa petite visite sur Skyrock. Ah, ah, c'est vrai qu'il a kiffé. Hein. Ça ouais, lui a rappelé bah, des oui, souvenirs de chiottes, là. Trop drôle, votre caca Noël. Eh ben, ouais, c'est ah, le caca Noël dans, de South Park. Park, ouais. Voilà. Mais il bon. Y a pas beaucoup, hein, je crois. Ouais, ouais. Pas assez, ouais. Moi, j'aimerais qu'il y soit à tous les épisodes, le caca Noël. Ah, Cédric. Ah, bah, je l'ai pas non plus à tous les épisodes, super, tu vois. Super, il est super. Et ils vendent même Mr. Hankey en figurine, il fait du bruit, ah, je crois. Ah, c'est clair, ouais.
Bénissez, Seigneur, ce plat de macaroni au fromage qui a l'air délicieux. N'oubliez pas ceux qui l'ont cuisiné. Amen. Je suis heureux, grosse patate. Clash de la drague. Eh ouais, c'est l'heure. Ouais, ouais. Le clash de Noël. Allez. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et ouais, c'est parti pour le clash de la drague de ce soir. Ouais, c'est parti, moi je suis chaud. Moi aussi je suis chaud. Non, Romano, excuse-moi, tu es chauve. C'est pas pareil. Je suis chaud. Hey, non mais vous savez, vous qui aimez, il y a un truc sur votre corps, vous vous dites, je suis pas comme tout le monde. Et ben ça peut être une chance. Bon allez, on s'en fout ça. Non mais je te le dis pour te motiver avant le clash. Mais c'est vrai. Non mais je m'en fous, c'est un désastre. J'ai regardé l'autre fois, ça m'a fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a un désastre? Sa gueule. Le haut de mon crâne. Mais il est très bien le haut de mon crâne. Non mais je vais te dire franchement, le haut de ton crâne est aussi beau que les quatre mentons de Cédric. Ouais non mais attends, t'as envie que je me suicide? Je te le dis. Non mais ça te va bien. Oui voilà. Et donc, Cédric, vers lequel je me retourne, a une super méthode du marché de Noël. Et ouais, moi, c'est le marché de Noël. Et oui. Bah ouais, c'est la période de Noël. Oui, et puis, bah c'est mieux que tu le fasses là qu'en février. C'est vrai que c'est pas con. Et Cédric, si elle marche, cette méthode, tu vas la faire toute l'année prochaine. Ah, pourquoi pas? C'est le marché de Noël au mois de juillet. Et Romano, ta méthode super. Ouais, c'est la méthode du chauffage. Et ouais, mais ça, c'est le chauffage, ouais. Ils ont décidé, mais où vont-ils les chercher? Ah, bah, dans notre tête. Allez, première, et ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Première appel, la famille choisie au hasard, c'est pour Cédric. Allez, on va chez David. C'est parti, chez David. Allez, David, c'est pour toi, Cédric. Attention. Allô. Ouais, David. Ouais, c'est qui? Bah, je me présente, je m'appelle Michel, je suis un de tes voisins. Et je t'appelle là parce que demain, je voulais aller faire le marché de Noël avec ta femme. Parce que je voulais acheter un string pour une copine. Et puis, bah, je voulais demander un conseil à ta femme, quoi. Les bonnes, celles-là. Bah, quoi, les bonnes? Bah non, bah à la limite, t'as pour même les essayer devant moi pour voir comment ça donne, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. On verra ça où. Bon, bah, je peux venir ce soir à la maison déjà, non? Ouais, c'est ça, ouais. Histoire de lui montrer ce que j'ai déjà choisi. Allô? Mais ça n'a que ni tête, ton truc. Moi, je m'entendais pas. Bah extrémiste. Mais ça n'a que ni tête, ton truc. Bah, si. Bah, tu vas aller faire le marché de Noël. Après, à la fin, tu dis, ouais, je vais montrer ce que j'ai déjà choisi. Bah, oui, je vais leur montrer déjà sur le catalogue ce que j'ai choisi. Un catalogue du marché de Noël. Non, mais y a pas de catalogue, gros. Bah, si. Non, y a pas de catalogue. Bah, quand tu vas dans les boutiques, il y a des marchés de Noël, y a pas de catalogue. Cherche pas. Mais un marché de Noël, gros, c'est pas. Catalogue du marché aux puces aussi. Là, t'es en train de creuser ta tombe. Ah, mais quand je dis marché de Noël, c'est je vais faire les cadeaux de Noël. C'est pas les marchés. Y a le catalogue du marché aussi. N'importe quoi. Quand tu vas dans les boutiques, il y a pas des catalogues, imbécile. Non, mais au marché de Noël, il y a pas de catalogue. C'est pas de truc. Si, quand tu vas dans les boutiques, il y a des. Non, mais n'insiste pas, Cédric. J'ai fait le marché de Noël la semaine dernière aux Champs-Élysées. Ah, mais je fais pas le marché de Noël. Au marché de Noël, des Champs-Élysées. Mais c'est des boutiques là. C'est que le marché de Noël, tu vois. Ah, mais faut savoir c'est quoi ta méthode alors. C'est pareil, gros. Alors, tu t'enfonces. On te dit Slim Shady. Non, je m'enfonce pas. Cédric, ta gueule, tu t'enfonces pour Slim Shady. T'es juste en dessous le joker. Qui veut trois Tu t'enfonces le Belge. Non, mais quand tu fais des cadeaux pour Noël, tu fais pas forcément sur le marché de Noël, tu vas peut-être dans des boutiques aussi. Non, mais là, en l'occurrence, c'est ta méthode, je te le signale. Oui, c'est le marché de Noël, ça va, c'est les cadeaux de Noël, ça va. Ah, les cadeaux de Noël. Ben, je vais changer de mot parce que vous faites un psychoblocage, les mecs. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, regarde les messages pour toi. Bah oui, mais ça, c'est ceux qui soutiennent Romano, ça. Ah, bah alors, inquiète-toi parce qu'il y en a beaucoup. Bah oui, justement. Bon, allez, Romano, à toi. Romano, sale jaloux, tu vois. Ah oui, oh, bah jaloux de cette méthode, non, merci. Tu n'as pas lu le message. Non, ça, c'est clair que je fais jamais cette méthode. Ah, Romano, il a une chaudière qui a explosé. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Pardon, Ludovic. C'est la femme à Ludo? Oui. Oui, bonsoir. Il est là ou pas? Oui. C'est qui? C'est un voisin, là, l'appareil. Lequel? Jean-Louis, du bout de la rue. Jean-Louis, de la bout de la rue, ça dit quelque chose? Jean-Louis, ouais. Qui prenne le téléphone, j'entends mal. J'ai un problème. Jean-Louis. Allô? Non, les conneries, ça suffit, là. Mais il n'y a pas de conneries, parce que passe-moi voir ton mari, là. Je vais venir à la maison ce soir. Ouais, mais bien sûr! Et moi, je suis la reine d'Angleterre, sale connard! Maintenant, tu dégages et tu me fous la paix, connard! Je viens dans 5 minutes, hein! Allô? Je demande un rappel! Elle était super, elle! Je demande un rappel! La reine d'Angleterre! J'accorde le rappel et Cédric, je te donnerai un rappel sur le deuxième coup de fil. Ouais, pas de galère. Sérieux, ça t'arrange qu'on fasse le deuxième tour, peut-être? Ouais, là, ça m'arrange, ouais. Oui. Là, c'est un rappel, hein? Ouais, c'est un rappel pour toi, Romano. Oui, encore! Allô, la reine d'Angleterre? Ta gueule, connard! Eh ben, passe-moi ton mari! Passe-moi ton mari au lieu d'être vulgaire! Vulgaire, je commence à en avoir marre, d'accord? Non, mais parce que j'ai un problème. Arrête de m'emmerder, là! J'ai un problème de chaudière, moi, ce soir, je viens me réchauffer entre vous deux, hein!
T'arrêtes, s'il te plaît. Maintenant, vous allez me dire vraiment qui vous êtes, parce que si vous voulez pas que je m'énerve vraiment. Non, mais moi, c'est Jean-Louis, donc j'arrive dans 5 minutes. Je me glisse entre vous deux dans le lit parce que j'ai très très froid chez moi, il n'y a plus de chaudière. Et après, on fait l'amour tous les trois. Ouais, vous allez arrêter un peu vos conneries, s'il vous plaît, parce que je commence à en avoir un peu. Ah, mais j'arrête, moi, j'arrive dans 5 minutes. La voix, mais tu fais quelque chose. Mais je te jure, le jour où je chope la personne. Je vais te choper, moi, ce soir, parce que j'arrive dans 5 minutes, là. Et c'est qui, ça? C'est Jean-Louis à l'appareil. Mais Ludo, prends le téléphone, ta femme, elle est hystérique. Je connais. Eh ben, écoute, si tu me connais, tu vas mieux me connaître, je vais bien rentrer en toi, ce soir. Dans tes fesses. Tu te laves les fesses à Ludo, hein? T'emmerdes, espèce de sale fils de pute! Ah, comme tu es très gentil, mais tu es aussi cinglé que ta femme! Bon, c'est gentil, en tout cas. Je peux venir dans 5 minutes ou pas? Vous allez me dire, franchement, c'est qui? Parce que si vous voulez. Laisse-moi faire une leçon. C'est Jean-Louis. On va rire un petit peu tous les deux. Oui. J'ai un oncle gendarme. Alors, si vous voulez pas que. Big up à tonton! Et je vous l'envoie! Salut tonton! Ah, mais y'a pas besoin de l'envoyer puisque j'arrive chez vous! Eh oui! Mais oui, tout simplement! Un oncle est gendarme. Eh ouais, la reine d'Angleterre, elle connaît du monde. C'est normal. Donc c'est longue. Elle a une belle couronne aussi. En tout cas, t'as des beaux chapeaux. Quand des beaux chapeaux. Et des belles robes. Ah. Bon, vous allez me foutre la paix. Parce que je vous jure. C'est le prince Charles derrière ou pas? Passe-moi Ludo. Mais passe-moi Ludo, nom de nom. Allume la radio, je crois. Si je. Allô? Allô? Ah merde, ça goûte. Allô? Ah bah ils allument la radio, ils vont suivre la suite du programme sur Skyrock. Ah bah très bien. On salue la reine d'Angleterre qui elle aussi l'a dit, elle écoute Skyrock ce soir. God save the Queen. Hello Mr. Smith from London Bridge. Salut Mr. Smith. Yes, je voudrais saluer ma reine. Ah t'as entendu, on est la reine. Comme elle était vulgaire. Dites-le d'ailleurs. Ah j'adore, I like that. Faites tourner sur Twitter, tiens il y a des messages qui tournent sur Twitter, sur Skyrock, le mec il a dit qu'il y a des catalogues dans les marchés de Noël, PTDR. Karim de Skyrock sur Twitter, merci. Ah bah Karim de Sky. Merci Karim. God save the Queen! Nous avons eu la reine d'Angleterre au téléphone! Exclu total! Exclu total! Bon, je donne un deuxième tour, j'avais promis. Cédric, allez, c'est à toi. Enchaîne. Et t'as le droit à un rappel? Et t'as le droit à ton rappel. Bonjour, vous êtes à la messagerie. Bah, je le rappelle tout de suite. Prends ton rappel là. Ouais, bien sûr, ouais. Je prends mon rappel. Okay. Non, je prends un autre appel. On te le donne. Allez, c'est parti. La méthode du marché de Noël. Avec le catalogue. Avec ou sans catalogue, ton marché de Noël? Allez, vos gueules. Allô, Raphaël? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ouais, ça va. Ouais, bah nickel. Dis-moi, je me présente, je m'appelle Michel. Je suis un de tes voisins et en fait, là, j'ai fait 2-3 achats pour Noël, là, pour des copines. Et j'aurais aimé voir avec ta femme si elle pouvait pas faire les essais pour voir si ça faisait un truc bien. Ah, t'as changé. Ah. Allô? T'as changé de méthode. Raphaël? Non. Ça marche pas mieux, par contre. Là, il est parti. Raphaël, passe-moi ta femme, s'il te plaît. Tu vas prendre ton rappel. Ah non, pas avec lui. Ouais, c'est le deuxième coup de fil, le rappel. Tu choisis pas, gros. Ah ouais, tu choisis pas. Bon, vos gueules, moi je parle pas sur vos appels. Putain. Non, mais il a fini là, le monsieur. Bon, vas-y, attends, dis fou, il est parti déjà. Notez que Romano il a parlé sur mon appel. Il a raccroché depuis 20 secondes, c'est vrai qu'il parlait tout seul, je crois. Ouais. Non, je prends pas mon rappel là-dessus. Bah, t'as pas de rappel alors? Bah oui, ça sert à rien, non. Bah pourquoi? Bah, je veux une autre famille. Mais tente, gros. Ah non, mais c'est pas comme ça. Non, un rappel, c'est un rappel. C'est pas un appel en plus. Un rappel, c'est un rappel. Bah, je prochain clash. Mais non, mais on fait plus des stocks, on a plus le droit, ça, on m'a dit. J'ai pas le rappel. Allez, prends. Prends. Bon, vas-y, prends. Bah, prends-le, de toute façon, t'as rien à perdre. C'est soit sinon il est perdu pour la. Je peux faire ce que je veux de mes appels ou. Non, mais imagine si tu gagnes. Non, mais sinon il est perdu pour l'éternité. Mais le mec, il va pas parler, tu vas voir. Perdu pour l'éternité. Bah ouais. Allô. Allô. On a été coupé, je vous passe un ami. Allô, Raphaël. Allô. Bah, tu vois. Il est pas là. Ah, c'est la femme de Raphaël. Bah, justement, c'est à toi que je voulais parler, ma belle. Dis-moi, j'ai acheté 2-3 strings, là, pour des copines, là, pour faire des cadeaux pour Noël. Ah, c'est ta connerie, ouais. Bah, je voulais que tu les essayes pour voir si ça faisait bien. Pas de poutre. Bah, je peux venir te voir. J'ai des gosses qui dorment, alors tu te la fermes. Ah, bah, laissez dormir. Arrête de chercher le monde. Bah, gueule pas, ça sert à rien de gueuler. Tu vas réveiller. Non, mais j'ai des gosses qui dorment. Ah, bah, écoute, arrête de gueuler, je vais venir dans 2 minutes te voir à la maison. Ouais, bah, viens. Vu que Raphaël, il est pas là, tu vas essayer les strings, et puis, bah, si ça fait un peu sexy, à la limite, que tu m'excites, je te ferai l'amour. Ouais, bah, c'est ça. Bon, ça te dérange pas. Pendant l'autre, tu seras quoi faire, d'accord? Ah bah écoute, si tu veux t'occuper de moi, y a pas de souci. Ouais. Ok. Connard. Allez, j'arrive, ma chérie, à tout de suite. Dis à Raphaël. Vas-y, viens, j'attends. Dis à Raphaël que j'arrive, d'accord? Ouais, y a pas de souci. Bon, bah prépare-toi, mais fais-toi belle, hein. À tout de suite. Eh bah, tu vois, qui c'est qui avait raison? Ouais, pour une fois, t'as eu raison. Bah oui, j'ai eu raison. Tu parles défaitiste, Cédric, c'est pas. Non, mais comme mon adversaire est l'insulte. Bah, c'est pas non plus le coup de fil du siècle, mais t'as au moins une invitation. Tu vois. Gros, attends, la meuf. Tu partais de rien. Ça a pété la gueule, quoi. Voilà. Alors, des réactions, vous en laissez plein. Là, on va faire ton dernier coup de fil, Romano, attention. On nous dit, la reine d'Angleterre a été très vulgaire avec Romano. Ah, ça, c'est clair. Elle l'a traité de sale fils de pute, mort de rire. Bon, allez, Romano, à toi. Et puis après, vous allez pouvoir voter. Attention, préparez-vous.
Dernier coup de fil et on appelle qui, Samy? Philippe. C'est Philippe. Alors pour l'instant, t'as rien, toi, t'as même pas une invitation. Oh, il a quand même eu un sale fils de pute qui était quand même assez joli tout à l'heure. Mais et il a parlé à la reine d'Angleterre. Mais c'est pas une invitation. Ah, mais ça peut peser dans la balance. Ouais, Philippe. Ouais. Ouais, comment tu vas? Ça va. Ça va, disons, c'est un voisin là, pareil, Jean-Louis là. T'as du chauffage chez toi, toi? Ouais. Ouais, parce que moi, je sais pas, j'ai la chaudière, elle a lâché là. Ouais. Ouais, donc je serais bienvenu à me réchauffer chez toi, quoi. Quand? Bah, ce soir là. Hein? Je me serais bien réchauffé dans les bras de ta femme, à vrai dire, hein, pour ne rien te cacher. Ouais. Ouais, donc je vais arriver dans 5 minutes, moi. Non. Bah, si, si, bah, sérieux, hein. Non. J'arrive avec ma couette sous le bras et puis bon, je me glisse dans le lit avec elle. Toi, tu nous regarderas faire l'amour. Ouais. Ouais. Ou alors, tu te joindras à nous, comme tu veux. C'est toi qui décides. Bon, j'arrive. Ouais, t'es là. Bah, je suis là dans 5 minutes, même pas, hein. Je suis au bout de la rue, moi. Eh, tu m'ouvres la porte si je viens, quand même. Bah, ouais. Bon, bah, écoute. Très bien, tu dis à ta femme de se laver un peu les organes, parce que ce soir, ça va y aller, hein. T'as la bite propre, toi? Ouais. Ouais, bon, bah, écoute, nickel, je te la sucerai. Oh. Bon bah j'arrive parce que j'ai pas mangé encore ce soir. Donc ça me fera bonne idée. Bon bah je suis là dans 5 minutes mon poussin. A tout de suite mon amour. Et bah vous avez bien fini. Et bah voilà, bravo, félicitations à tous les deux. Et oui, puis ce soir on a quand même eu la reine d'Angleterre qui déclenche beaucoup de réactions, hein. Je crois que ça tweet un max pour la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle s'excite. Allez-y. Insulter. Mais non, on insulte pas les gens, nous. Versace. Non, par contre, non. Eux, ils ont le droit. Hein, Romano? Ah. Tu as eu quelques petits. Oh, un petit flot. Petit mot d'amour. Ouais, ouais. Allez, un petit mot d'amour. Allez, on y Cédric, va. Quelque chose à dire? Bah ouais, quelque chose à dire, monsieur l'arbitre. Tu es très beau ce soir, d'ailleurs. C'était ta déclaration? Elle non, était bien, pour une déclaration, fois. Oui. Et donc, ce soir, n'hésitez pas à voter Cédric. Moi, tranquille, je suis invité par la femme de Raphaël. C'était limite, mais j'ai réussi à gérer ça. Tranquille, pépère, elle va essayer les strings que je vais acheter. Pour ça, votez Cédric, c'est EDRIC, je compte sur vous tous et vous toutes, je vous aime très très fort. Romano, quelque chose à dire? Oui, bonsoir mes amours. Oui. Ce soir, grâce à moi et à mon clash, nous avons parlé à la reine. Ton clash, Bah ouais, c'est bon, c'est l'autre, bon clash. Bon, on a deux à clasher. À la reine d'Angleterre. Ah voilà. Eh bien, ce soir, mes amours, j'ai à moitié serré la reine d'Angleterre qui m'a traité mais de tous les noms. C'est ça, ouais. Et sur le dernier appel, l'apothéose, le feu d'artifice, le bouquet final, comme on dit. C'est quoi la musique? C'est la musique de la reine d'Angleterre. C'est l'hymne anglais. Ah, God Save the Queen. God Save Romano. Votez Romano. Sur le dernier, je suis invité. Le mec, je le pompe et je me tape sa femme sous ma couette que j'amène à la maison. Eh bien, pour tout ça, votez Romano. R-O-M-A-N-O. Et voilà. Ou Cédric, ouais. Ouais. Oui, non, c'est non, voilà. Je suis tombé. Résultat c'est du clash de la drague. Quel est le rapport, c'est Noël? Hein? C'est Noël, hein? C'est Romano. Hein? Bon, allez, avant les résultats du clash, ce très beau clash de Noël, oh, c'est un collector, on peut le dire. Ouais. Il est beau. C'est l'émission de Noël sur la chaîne Aslaï Guy. Et j'ai eu une grosse voix de merde. Résultat du clash de la drague, tout de suite. C'est alors, parti. C'est allez, allez. Je les découvre avec vous. Les résultats. Ah bah c'est quand même assez équilibré par rapport à ce que je pensais. Ah. Les résultats du clash donc, que je vous donne tout de suite. Alors, à qui la victoire de ce premier clash de cette semaine de Noël est-elle attribuée? Moi j'y crois. Moi aussi je crois que je vais gagner. Tu crois que tu vas gagner, Romano? C'est le marché de Noël, la magie de Noël quoi. La magie de Noël. Eh bien vous aurez préféré ce soir le chauffage de Romano. Eh ben voilà. Et assez équilibré puisque seulement 77% des voix vont à Romano. Franchement, pour Aladdin, j'y étais mollo. Bravo Romano. Eh ben merci à toute la team Romano. Préparez bien Noël. Ouais. Cette semaine, je vais vous régaler. On va le déglinguer toute la semaine. Mais parce que je vous aime, parce que c'est Noël, c'est mon cadeau. Ben, je vous annonce que Cédric ne se laissera pas faire. Eh ouais, ma team Lebel, je vous aime très très fort. Et tous ensemble, pour la magie de Noël, il faudra voter bah là, Cédric. Là, on a pris un coup dans la gueule ce soir déjà de ton je côté. La magie toute de la semaine. Bon, et clash mercredi. Hein. Ouais. Ah ouais, prochain match mercredi. Pas on dirait que vous ne croyez pas au Père Noël. C'est mieux. On va s'occuper des réveillons. Les réveillons, ça peut permettre de gagner de l'argent. Écoutez bien, voici les conseils pas chers. Attention, c'est parti. Conseils pas chers pour les réveillons. Il va y avoir une ambiance de dingue. Ambiance de folie ce matin sur Skyrock. C'est les conseils pas chers. Wouh ! C'est les conseils pas chers. Wouh ! C'est les conseils pas chers. Coucou ! Conseils
conseils. Les conseils pas chers. C'est quoi, c'est une boule? Non, j'ambiançais là. Attends, j'ambiançais. Ah ouais, j'ambiançais. Alors ce matin, je vais être DJ. Ouais, c'est DJ Roro. DJ Roro pour vous servir. Des DJ sont recherchés pour le réveillon du nouvel an. Mmh. Eh bien, je vais répondre aux annonces, car DJ Roro est dans la place. Et ouais, on est allé sur le net, il y a plein de petites annonces. On recherche un DJ pour le nouvel an, DJ pour le 31 décembre. DJ! DJ années 80. Oula. Oui, DJ années 80, ça va être super. Alors, on a des annonces. T'as pris laquelle, Cédric? Laquelle qui est là? Là, j'ai un resto. Un resto. Un resto. Attention, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors. Oui, bonjour, c'est le restaurant? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis DJ, j'ai vu votre petite annonce sur internet. Oui. DJ Roro pour une ambiance de folie. Oui. Une ambiance de folie, j'ai dit. Allô, le petit resto? Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Alors, vous recherchez toujours un DJ ou pas? Oui. Ah, ben voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas un gros budget. Donc ah, vous n'avez pas un gros budget. C'est-à-dire, au niveau du budget, vous prenez combien? Vous proposez combien? Que 150 euros, malheureusement. 150 balles. De l'heure. De l'heure. Ah, bah c'est pris. Ah, ouais, bah c'est pris. Vas-y, je suis engagé. Ok. Non, c'est pas. Je pense que ça ne sera pas dans vos coordonnées, quoi. Dans nos coordonnées. Ah, c'est bien dommage. Ah, ça, c'est bien dommage que ce soit pas dans les coordonnées. Vous cherchez quoi comme ambiance? Ah, une ambiance raccrochage. Oui, elle est pas mal l'ambiance de Bordeaux. Eh oui. Est-ce que Cédric, ce matin, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Mais crie, espèce de naze. Bah oui, lève les mains en l'air. Ouais, bah ouais. Non. Ouais. Le belge, il va en boîte, le DJ fait ça va. Ouais, ça va. T'as un con dans la. Ouais, ça va tranquille. Non, mais excuse-moi, je suis pas en boîte là. Et toi? Allez, DJ Roro, j'ai une annonce là. Ah, super, c'est quoi l'annonce? Ouais, je sais pas, il cherche quelqu'un pour le 31. Un DJ, DJ Roro. Bah voilà. Allô, bonjour. 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 Excusez-moi. Bonjour. Oui, tu es le petit garçon ou la petite fille? La petite fille. Ah, la petite fille. Ta maman ou ton papa, ils sont là, c'est pour l'annonce, pour le DJ. Wouh! Ok, je vous le passe. Ouais, passe-moi Gengo, s'il te plaît. Mon nez. Okay. Est-ce que vous pourriez mettre un son, s'il vous plaît? Voilà, bordel de merde. Ouais, il y a eu la solo à fond, là. Wouh! Allez, petit, prends un ecstasy, ça fait du bien. Ça va te détendre. Non. Ah, tu vas voir, tu vas t'accrocher au plafond. Allô. Wouh! Ouais, j'ai mal à la tête. Ah oui. Allô? Oui, allô? Oui. Et alors, tu me passes ton papa ou ta maman, s'il te plaît? Ah, il a peur. Il est parti l'appeler. Allez, papa, maman. Ne quittez pas. Merci. Ne quitte pas. Je vais passer longtemps en musique, s'il vous plaît. Wouh! Allô? Allô. Allô, c'est DJ Roro pour une ambiance de logo. Allô. Oui. C'est DJ Roro au téléphone. Ouais, DJ Roro à l'appareil. Là, j'appelais pour la petite annonce que j'ai vue sur internet. Oui. Oui, pour le nouvel an là. Eh ben moi, oui. j'étais prêt à proposer mes services. Je suis encore disponible. Je n'ai pas été booké. Allô? Je crois que tu vas aller. Oui. Là. Ouais. Alors, vous cherchez quoi comme ambiance? Ben, c'est pas pour moi, c'est pour une auberge. Une auberge? Ça va pas. Et c'est quoi l'ambiance? Ben, tous les styles. Festive. Ah bah c'est mieux pour un réveillon. C'est une ambiance mortuaire par exemple. Ah c'est pas mal. Imaginez, DJ Roro arrive. Bam, ouais. Bam, bam, bam. Et c'est quoi le budget? Bah je sais pas combien vous prenez. Ah moi je prends cher. Hein. Je prends cher, j'ai mis. Tu connais David Guetta? Oui. Ah bah j'ai pas mixé avec lui. Non. Tu connais Code Killer? Pareil, il a pas mixé avec lui. Ah non, j'ai pas mixé avec eux, mais je prends 500 balles. Pas cher. Oui, vous pouvez m'envoyer un devis là sur. Ah non, bah je travaille qu'au black, hein. Désolé, c'est pas déclaré, je suis un escroc. C'est l'escroc, c'est DJ Roro. Ah c'est DJ Roro, l'escroc. Allô. Allô monsieur, c'est pour l'auberge. Allô. Vous êtes fatigué? Non, mais pas fatigué. On est déjà en ambiance là.
Bon, ah, il est parti. Ah oui, ce coup-ci, il est parti. Ah, il y avait trop d'ambiance pour lui, là. Ambiance de folie. Ouais. Merci, Didjero. Ah ben, de rien, joyeux Noël. Ouais. Dreaming of a white. T'as recommencé, hein? T'as laissé couler la flotte avant de partir. Pourquoi tu fais ça, bon Dieu? Je t'ai demandé de plus le faire. C'est notre carte de visite, Harry. Comment ça? Tous les grands voleurs laissent une marque. On nous appellera les casseurs flotteurs. T'es cinglé, c'est sûr, y a pas de doute. Non, je suis pas fou. Si, t'es fou. Mais n'importe quoi. Tu te conduis comme un... Ouais. Voilà, quoi, ah, okay, le mec ouais. Bouge les bras. Non, mon bras, il bouge, mais on dirait qu'il va pas... Et au niveau de la vision, tout va bien? Ouais, ça va, ouais. Je veux toujours ta sale gueule, ça ouais, va. Parce que t'as les yeux vraiment. Bah voilà une bonne nouvelle. Les yeux creusés, quoi. Bon, on va prendre Dora parce que je crois qu'on a retrouvé ce rire de merde. Il est bourré. Il est bourré, Cédric. Ah putain, il fait chaud aussi. Non, mais j'ai chaud. Ça y est, il est le bourré. Le mec, il est arrêté. Excuse-le, Dora. Cédric, il est bourré, Dora. Allô? T'es rouge comme, non, comme la table. Rouge, la table du studio, elle est rouge. Ah ouais, Cédric, t'as la même couleur, on te voit plus. Non, mais on se met torse nu. Pourquoi tu veux qu'on se mette torse nu? Comme une biatch en plus. Tu veux qu'on se mette torse nu? Est-ce que tu veux qu'on se mette torse nu? Elle est toute excitée, le belge. Bah vas-y, Cédric, tu commences, on suit. Raide. Allez, mets-toi torse nu. T'es chaud, le belge, quoi. Avec de la gueule de Karine. Ça y est, t'es fait, gros. Attends, j'ai de l'alcool. Qu'est-ce qu'il a la gueule de Karine, Cédric? T'as pas mis sa gueule? Regarde. Oh, c'est sa gueule normale. Le belge s'est ravagé, mon pote. Comme t'es rouge, gros, mais reste. Oh putain. Je crois que le deuxième a été fatal. Eh, le belge, tu me fais flipper là. Eh, t'as mis quoi? T'as mis du. Ah. Je crois qu'il a été coupé à quelque chose, ton jeune épi. Regarde ta gueule. Il est rouge écarlate, il fait flipper quand même. Ah putain. Oh, putain, je vais pleurer. T'as bronzé pendant ces vacances. T'es rouge. Non, t'as pris des couleurs. Oh putain, ouais, t'es rouge, mon pote. Bon alors, j'ai un allemand. J'ai un pilier de comptoir, sérieux. Ouais. Faut que tu sortes parce que sinon je vais pas arrêter de rigoler. Karim, tu fais rire, c'est vrai. Karim, c'est en train de mettre ta boule de nerf, mettre la petite patate dans ouais. 2 minutes. Il a une gueule normale, tu sais. Attends, faut que je prenne en photo parce que c'est. Ah bah oui, prends ton photo en même temps, Cédric. Pour immortaliser ce moment là. Ah, prends, tu prends Karim en photo à cause de sa tête. Qu'est-ce qu'elle a sa tête? Je sais pas, elle est bizarre. C'est normal, gros, sa tête, c'est toi qui es ravagé, gros. Mais t'es pas normal. C'est ta vision, elle est. D'habitude, c'est toi, Romano, qui bloque sur la tête d'un des membres de l'équipe. Ah ouais, mais là. Non, mais en plus, ouais, Karim, sur le coup, il a de spécial, quoi. Putain, il est posé là, il comprend pas ce qui se passe. J'ai sueur, votre. Ah, mais t'es tout mouillé, hein. Ça me fait pleurer. Ah, putain, tu vas puer là. Putain, je vais pas réussir à rentrer chez moi, moi. Ah, bon, on va te ramener, t'inquiète. Je vais rester chez toi. Non, non, on va la radio. Tu sais, Cromano, il a des amis actuellement chez lui et ça leur ferait plaisir d'avoir quelqu'un en plus. Non, mais en plus, il le connaît. Non, mais je pense qu'il voudra pas dormir avec ça. C'est l'éclipse. Putain. Bon, alors, Dora. Oh putain, la gueule de Momo. Tu vois, l'alcool est dangereux pour la santé mentale. Exactement. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La gueule de Momo, maintenant. La gueule de Momo, bah ça, c'est tout le temps. Un V sur la tête. Un V sur la tête. Non, mais regarde ses cheveux, il a un V, ça fait un V, c'est chelou, quoi. La gueule, putain. Mais le mec, mais ses dents en avant, mais on voit que ses dents, quoi. Oh putain. Ah putain, c'est chaud ce soir. Ah, il fait chaud ce soir, hein. La gueule, c'est la canicule, Cédric. On dirait un gros bof. C'est la canicule. Ah, mais sérieux, putain. Ouais. Ramène-en plus souvent ce truc. Ah, bah écoute, c'est le fait de l'effet. Ah, ton truc, c'est marrant, on voit les gens chelous. On va parler des problèmes justement du 31. Et parmi certains problèmes pour le 31, il y a de l'alcool. Hein, pour ah, ouais, bah ça, ouais. T'as raison en plus, c'est vrai, il y avait le B. Non mais il voit quand même Momo depuis plusieurs années, il s'en rend compte maintenant. C'est bien Cédric, c'est trop intelligent l'alcool. Ah, mais... C'est peut-être pour ça que tu es si intelligent, Romano. Eh oui, c'est ça. Eh, tu vois, d'être bourré. J'ai mal au ventre. C'est bien, ça te fait des abdos, Cédric. On va peut-être repousser le soit la corde pour ce soir. Cédric devait faire une. Tu risques d'être dans une émission. Il devait nous faire une démonstration de soit la corde. Mais bon, malheureusement. C'est qui ce débile qui rit depuis tout à l'heure? Mais vous avez pas reconnu Cédric? Mais c'est Benny sur. Bah si, c'est Cédric, hein. Ben oui. C'est Cédric. Lui-même. Cédric bourré, mort de rire. Faites-lui croire qu'il a gagné le clash pour voir ce qu'il dit. Ah bah tiens, justement, les résultats du clash là. Refaites-le boire le belge.
trop con. Dans pas longtemps, il va avoir la descente mauvaise. Là. Il va commencer à avoir la tête qui tourne, il va aller vomir le mec. Je le sens venir. Il des très mauvaises humeurs. Gros comme une maison là. Oh, mais t'as des potes, ça leur arrive aussi des fois. Ils et ils sont tout transformés quoi. Bah moi je sais pas, moi je suis qu'avec des gens qui boivent quoi. Oh, bah, je te jure moi tous mes potes. Ah mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Franchement moi j'ai mes potes, si tu veux, c'est plutôt eux qui me couchent quoi. Et est-ce que Samy il a une drôle de tête Cédric? Non regarde normal gros. Non je sais pas. Toi t'as une tête chelou quand même. Cédric. Non mais t'as la tête allongée un petit peu quand même. Ouais mais... ça c'est. Il passe en mode je suis bourré mais je suis lourd. Non, il va être lourd un peu. Il va passer par toutes les phases en fait. Demande je réponds. Regarde, il y a Karim qui vient de passer sa tête. Montre-nous tes dents, le Belge. Notre contribution à la lutte contre l'alcoolisme en France, de ces fléaux. Eh oui. Ah, ça va, mais après. Vous avez pas vu le sondage avant le 31, là? Le sondage de quoi? Un sondage sur la. Ah, sur les gens qui buvaient, là. Ouais, 90% des gens ont déclaré. Parlé dans le morning, là. Ont déclaré qu'ils allaient boire le 31, quoi. Non, mais il y en a qui boivent le 7 janvier, hein, c'est vrai. J'ai jamais bu un verre d'alcool comme ça. Attends, j'ai des crottes de nez qui tombent. Là, tu commences à être dégueulasse, tu vois. Dans pas longtemps, il va quicher, tu vois. Oh putain. Le mec a vu un shooter parce que. Fais voir la photo que t'as faite, toi, connard. Ah, ouais, pas moi, ah ça y est, on retrouve son état normal là. Ouais, fais voir la photo que t'as faite, toi. Vas-y. C'est là, il faut la faire tourner. Oh la gueule, gros. Avec les bras en avant, tu sais, genre. Bon, la merde, t'es content. Waouh, ça, c'est vraiment cool. Il a des idées hamster, quatre mentons, allez. Une paire de coupe flasque. C'est Cédric Lambrouille sur Skyrock. Ah mais tu dis le mec a fait ça, je vais l'attraper, tu vas voir. Avec ton rire intelligent pour conclure le jingle. Il est super ce jingle, moi je trouve. Oui, très bien. Alors quoi, tu trouves aussi hein. Oui. Comment ça, tu veux la prod quoi. Ouais, comment tu veux t'embrouiller toi ce matin? Bah je vais m'embrouiller là parce que je me suis fait éclabousser par une voiture, j'ai mené l'enquête et c'est Benoît. Bon bah c'est parti, tu vas chez qui tu veux. C'est pour ça que t'avais plein de numéros de gars qui avaient des voitures ce matin. Bah ouais grave, attends, j'ai fait ma petite liste. Ça va chauffer. Si tu préparais ça, t'inquiète. Cédric se préparait à s'embrouiller, bah c'est parti. On y va, c'est parti pour l'embrouille du Belge. Allez, Cédric en action. Ah, oh là, que clabussé. Allô. Ouais, Benoît. Oui, bonjour. Ouais, comment vas-tu? Oui, c'est qui? C'est Cédric au téléphone. Moi, je t'appelle, ça va pas très bien, moi. Ouais. J'ai un petit problème à régler avec toi. C'est bien toi qui as une 205, un peu vieille. Oui. Ben, oui. Je t'appelle parce qu'on s'est croisés la semaine dernière. Moi, j'étais en ville. T'es passé à côté de moi et tu m'as éclaboussé avec ta voiture un peu à l'ancienne. C'était pour te laver, Cédric. Eh oui. Ouais, t'as gentil, même. Donc, j'ai mené ma petite enquête et j'ai réussi à te retrouver. Donc, je t'ai appelé pour que tu t'excuses. C'est quoi cette histoire là? Ben, c'est pas une histoire, c'est que tu m'as éclaboussé et je suis très énervé. Donc, plutôt que je vienne chez toi et que je te calme et que tu t'excuses comme ça, je préfère que tu t'excuses au téléphone. Mais c'est Cédric et qui, là? Ben, on se connaît pas. J'étais dans la rue, t'es passé à côté de moi. Tu m'as éclaboussé, j'ai noté la plaque d'immatriculation, j'ai mené ma petite enquête et je t'ai retrouvé, mon salopard. Alors attendez, vous vous appelez Cédric et ouais. Je vous ai croisé dans la rue, je vous ai éclaboussé. Voilà, t'étais avec une femme, vous pas très belle. Vous avez relevé la plaque, c'est pour que je m'excuse. Moi je m'excuse, il n'y a pas de souci. Bah voilà, tu vas t'excuser. T'étais avec elle derrière là, elle est pas très belle. C'est elle. Ouais, je vois qui c'est Cédric qui vend des... Qui fait souvent les brocantes. C'est ça, ouais, je fais des brocantes, ouais. C'est exactement. Il essaie de se vendre lui-même à la brocante, personne n'en veut. Et si tu veux pas que la prochaine fois que je te croise, je te calme, j'aimerais bien que tu t'excuses, là. Et que ta femme aussi, d'ailleurs. Le brocante. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, excuse-toi. Il n'y a pas de souci. Bah, je l'ai déjà dit, excuse-moi. Non, mais je veux encore que tu t'excuses. Un peu plus. Mais t'es relou, toi. Un peu non, mieux. Pas du tout. Bah, je vous passe à ma femme. Hein, bah. Voilà. Dis-lui d'être. Tu auras aussi. Ah, bah voilà, passe-la moi. Allô? Ouais, allô? Tu m'entends? Oui. Ouais, c'est Cédric, Cédric qui essaie de se vendre à la brocante. C'est la voilà. Meuf de Benoît, ça. Il a mal parlé sur toi, hein, la meuf de Benoît, Cédric. Bon, j'ai juste dit que t'étais pas très belle, tu ouais, me plais mais pas. Je sais pas du tout qui c'est. Bah, vaut mieux pour toi d'ailleurs. Oui, vaut mieux, ça c'est clair. Tu risquerais de craquer sur moi. Ouais. En plus, vous êtes à deux, là. Ouais, ouais, on est à deux, ça ouais. Ça devient intéressant, ça craint. Ah, ça t'excite. Ah oui, oui, mais c'est pour ça, si j'ai affaire à des blagueurs, moi aussi je blague, il n'y a pas de raison. Bon, comment dis-je à pas t'excuser? Non, mais il n'a pas à s'excuser, ce couillon. Bah, c'est si, quoi cette histoire? Bah, il m'a éclaboussé, donc j'ai envie qu'il s'excuse. Non, mais moi j'aurais préféré t'envoyer un gros saut dans la tronche. Ah, bah non, c'est bien. Qu'est-ce que tu lui enverrais d'autre dans la tronche alors? Là, c'est dommage que je sache pas qui c'est, ça doit être marrant. Bah, si tu veux, je peux venir dans 5 minutes. Quand tu vas le voir, tu vas rigoler. Ouais. Parce que là, tu fais la belle au téléphone. Ah, ouais, vous voulez que je vous le repasse? Non, mais je veux voir avec ça, avec toi.
Alex. Oui, alors. Bah, je veux que tu t'excuses. Bon, je m'excuse. Voilà. Un peu mieux, un peu mieux. Non, pas du tout. Depuis tout à l'heure, on vous foutait de sa gueule, mais il s'en rend pas compte, le pauvre. Allô. Oui. Excuse-toi un peu mieux. Je te prie de m'excuser. Répète après moi. Répète ouais, après je moi. Fais le baisse-main. Ah, le baisse-pied. Le reste. Dans le baisse-pied, tu risques de pas ah non, là, tu vas mourir. Ah. Et comment vous avez le numéro de mon homme? Bah, on se fait tourner, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est une tournante en plus entre mecs. Bravo. Bah, on s'amuse comme on peut, tu sais. Franchement, ça vous craignait un petit peu, quand même. Oui, tu as découvert le secret de Cédric, hein. En effet. Bravo, Cédric. Si tu veux, je peux venir m'occuper ouais, de toi. Ouais, ouais, mais c'est ce que je pensais aussi. Je sens qu'il y a un truc qui se passe entre toi et moi. Ouais, 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 bah ça, ouais, sans doute, ouais. Surtout voilà. Que je connais absolument pas ton visage, ouais, c'est... Bah ouais. Eh bien, écoute... C'est certain, il vaut mieux. Il y a un feeling, là, qui se passe. C'est sur un truc ouais, monté. Ouais, parce que, ouais, mais moi, je suis pas canon, hein, je suis désolée, mais ouais, là, mais sachez, hein, je suis déjà croisé dans la ville, tu sais. Moi non plus. Hein, tu m'apprends rien, là, en me disant ça. Bon, ça y est, Cédric. Tu peux suffisamment mettre ouais, à l'amende. Ouais, bah là, ils sont assez excusés, ouais, ça ouais, va. Bah, c'est, oh, bien, bah, c'est sûr, oui. Bon, bah, merci, hein. Bah de rien hein. Allez, à la prochaine. Comme patron de service. Bon, on se croise sur une brocante. Il te prend de point de ouais. Ville. Allez, ciao. Salut. Bonne journée. Ciao, ciao. Alors, Cédric. Oh là, je suis le brocanteur débile. Ah voilà. Je fais des brocantes maintenant. T'es content de toi? Oh là. Bah grave. Ah bah grave. Il ah bah non, il est content. En tout cas, la famille, ça les a amusés. Ah moi. Oui. Bah écoute. Tu les as divertis. Comment on dit chez moi, si t'es content mieux, Cédric. Et ouais. Avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Est-ce que t'as des numéros, Cédric? Bouge pas, Alissa, ouais. On va montrer aux... Aux familles. Ouais. Aux familles de quel bois on se chauffe. Allez, vas-y. On va te faire la démonstration, Géraud. Tu as eu donc du mal à te... Tu as du mal à dormir toute la nuit dernière à cause des voisins. Appelle, Cédric, allez, appelle. Ben, nom de Dieu, appelle. Allez, le French test. Oh, oh. Le French test jingle, sur Skyrock. Alors. Oui, ben, si je mets le jingle et que tu parles dessus, il n'y a pas... Oui, il n'y a pas d'intérêt, mais c'était pas intéressant. Mais en tout cas, je l'ai mis, ça fait plaisir à Cédric. Alors, c'est parti. On va chez Franck. On file chez Franck. Allô, Franck? Oui. Oui, bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Oui, Franck. Oui. Ah bah, c'est toi qui as les décorations de Noël juste en face de la maison, là? Non. Tu as pas de décorations de Noël? Non. Ah, alors tu sais prier d'éteindre la lumière le matin, parce que j'ai l'impression qu'il y a des décorations de Noël. Moi, ça m'empêche de dormir parce que je dors, moi, à cette heure-ci. Et est-ce qu'éventuellement, tu pourrais déplacer ta maison de devant chez nous parce que on a une vue de merde à cause de ta baraque? C'est pas con, ça. En plus, elle est même pas décorée, tiens. Ah ouais, alors ça, vraiment, nous, on est extrêmement choqués, je sais. Elle clignote, elle est pas décorée. Allô? Franck? Franck, il faut déplacer la baraque de une dizaine de mètres. Voilà, bah, il est en train de le faire. À droite ou à gauche, tu pousses les murs, tu te débrouilles. Oui. Francky? Voilà, ouais, bah, ouais, bah, tu es gentil, on a... contre, d'avoir des voisins comme toi, c'est super. Voilà. C'est bien, tu mets des roulettes à ta maison et tu la déplaces. Très bien. Bon, allô, j'ai Alain. Alain. Bonjour, Alain. Allô, oui, Alain. Bonjour, c'est oui. Quoi? Bonjour, bah, c'est le téléphone. Voilà. C'est le téléphone qui sonne, bien joué. Ouais, ouais, parce que Alain, on a vu ta baraque là, avec les décorations là. Ouais, bah t'as pas une bonne vue, hein. Ah oui, parce que t'as pas de décoration, bah c'est justement pour ça qu'on t'appelait. Ouais. Ouais, on va décorer parce que la baraque elle est moche, ça va cacher la misère. Oui. Ouais, ouais. Bah oui, c'est Noël. Tes ouais, décorations, tu t'es collé au cul. Ah bah j'en ai déjà. J'ai déjà mis guirlandes. Il veut que tu décores le trou de balle. Ah ouais, bah, mais je savais, Alain. Tous décors, vas-y, c'est Cédric. Allez, ah, mais on peut. Hein. Oui, oui, tous décors. On va chez Jean-Noël. Jean-Noël. Ah bah, c'est parfait. Vrai que s'ils ont pas de décoration, on peut le remettre, tant qu'à faire. Bah ouais. Tu transformes ça en conseil pas cher et hop. Bon courage, Géraud, d'ailleurs, pour le voisin d'en face. Là. C'est moi qui mets un loup pour dormir. Je vais mettre un. Un loup, ouais, c'est pas allô. Pas con. Allô. 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 Oui. Oui, oui, bonjour. Jean-Noël, c'est pour les décorations. Joyeux Jean-Noël, d'ailleurs. Les décorations de Noël. Joyeux Joël. T'en as pas des décorations de Noël à la maison, toi? Très drôle. T'es la bonne bête d'alcoolique. Elle était géniale, ça. Noyeux Joël. Noyeux Joël, très bien. Lui, il s'en est parmi, moi non plus. Non, non, mais la personne ne s'en remet. Elle était excellente, franchement. Elle était excellente, franchement. Oui, bon, excellente dans les années 80. On t'embrasse, Giro, en tout cas. Merci pour ton message. Excellente à l'époque d'Indochine. C'est bien, écoute. Comme t'as pas dormi, Giro, et ça te permet de ne pas louper le morning, regarde. C'est une loupe. 6h. Tout de suite, un double appel de Noël, rien que pour vous, sur la chaîne de Sly Guy.
Attention, c'est parti. Double appel, c'est Noël sur Skyrock. Après le succès du premier double appel franco-belge, double appel international. Ouais. Nous allons réitérer. Oui, nous allons recommencer. Il n'y a pas de raison. Nous continuons à mettre les Français en contact avec les Belges. Expérience. Oui, expérience continue. Ça s'est bien passé hier. C'était bien. Donc, c'est reparti aujourd'hui. Ah, c'est déjà Florent. Ouais, donc, on est parti. C'est les familles franco-belges. Enfin, une française, une belge. Ouais, c'est reparti. C'est reparti. Le téléphone ne va plus. Il ne va plus. Non, il ne va plus. Ils sont raccrochés. Le téléphone ne va plus. Le téléphone ne va en plus, c'est la Belge. Ouais, c'est la Belge. On a reconnu la Belge et la famille française qui nous a fait assez reparti. À cause des tests de Florent, tu as testé 2-3 fois avant pour voir si les familles sont efficaces. Bon, la Belge, elle est bien. Hein. Le téléphone ne va plus. Elle ne comprend pas comment ça marche. Hein. Le téléphone ne va plus. Hein. Le téléphone ne va plus. Elle essaie de raccrocher. Elle y arrive pas. Orsoune. C'est bon, ça sonne, elle a raccroché. Ça sonne. Allô. 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 Allô, trou du cul. Ça va, coquille. Tu dis quoi, tu vas me dire? Ça va. C'est quelqu'un qui est malade. Et ils sont partis? Ouais, encore. Ils ont vraiment des problèmes, raccroche. Ils ont vraiment des problèmes pour raccrocher le téléphone. Allez, pas les Belges. Ah, ça arrive pas à raccrocher le téléphone. Alors, c'est qui? Allô, trou du cul. Ça va, coquille. Le Belge, ils sont agressifs, hein. Ouais. Allô. Ils sont agressifs les Belges, alors qu'il y avait des pieds en pyjama. Et pyjama, il faut. Oh, il a dit au truc du cul. C'était les pieds en pyjama français. Et le père, il a dit, oh, c'est quelqu'un qui est malade, ça. Ouais. Il a pris les Belges pour des fous. Ouais. Bon, on y retourne. En troisième coup de fil chez les familles. Oh, le coup de cul. Ça va, truc du cul. Allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? C'est vous qui téléphonez, non? Comment, qui téléphonez? Moi, je ne téléphone nulle part, moi. Ah non, c'est moi qui téléphone, peut-être. Mais, non, non, dites-moi un peu votre nom. Et vous, votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Coach. Ah, moi, je ne vais pas vous dire mon nom, hein. Ah, vous ne voulez pas le dire, vous? Je ne vois pas pourquoi je vous dirais mon nom. Mais puisque moi, je l'ai dit. Eh ben non, hein. C'est vous qui me téléphonez, c'est pas moi qui vous appelle. Ah, alors, oui, qu'est-ce, non, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui vous téléphone. Non, mais vous téléphonez. Non, mais ça va pas. Il faut tout même pas se moquer de moi non plus, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Comment mais ça, qu'est-ce que je veux? Mais je vais vous passer mon mari. Mais eh passez-le-moi. Madame, qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là? Quoi? Pourquoi est-ce qu'on téléphone ici? Mais je ne vous connais pas, téléphone, c'est vous qui appelez. Mais je n'ai jamais téléphoné, je ne vous connais pas, moi. Madame, passe-moi mon mari. Mais attends. Mais madame, je ne vous connais pas, moi. J'habite rue Valais. Ah bon, bien. Je m'excuse, je ne vous connais pas. Eh bien moi non plus, hein, mais c'est vous qui me téléphonez, c'est je pas moi qui vous téléphone. Alors non, madame. Votre... Ni ma femme, ni moi. Téléphoner. Cessez de me téléphoner, moi je ne vous connais pas. Bon. Eh bien écoutez, comment on se trouve au bout du fil alors là? Comment on arrive à se parler? Parce que vous avez téléphoné. Moi chez moi, le mais téléphone, non, a sonné, je décroche. On vient de téléphoner, maintenant on vient de téléphoner. C'est comment? Un monsieur qui vient de téléphoner. Comment? C'était un homme qui vient de téléphoner. Où? Mais ici. Mais monsieur, vous, ça fait pas. Non, mais ça va pas. Et bon, moi, j'arrête de... Ah, tout le monde est parti. J'ai énervé le Belge, j'ai énervé le monsieur belge, là. Papa belge. La dame belge charmante. Ouais. Oui, ça va. Ah, la française bon. Est dominante. La française bien efficace. Elle domine un peu. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ouais, de raccrocher la gueule. Ouais. Et énervé, hein. Un papa belge. Bon, c'était quoi le troisième coup de fil? Allons-y pour un petit quatrième. Personne. Hein. On a le temps, on se fait un petit quatrième coup de fil. Personne, oui. C'est vrai qu'on tombe sur l'homme belge. Papa belge. Oui, il est bien. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Si ça continue, j'envoie la gendarmerie. Oula. Allô? Qu'est-ce qui se passe à téléphoner comme ça, ça, en fait? Mais c'est pas moi qui vous téléphone, monsieur. Mais on vient encore de téléphoner. Non, mais j'ai le téléphone qui vient de sonner, moi aussi, là. Mais ça serait pas un problème au télécom, plutôt? Vous avez quelque chose sur votre ligne, madame? Je sais pas. Mais chez vous, le téléphone sonne aussi? Constamment. Et chez moi aussi, le téléphone sonne, je décroche, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Mais oui.
Au sec de Sony, constamment, constamment. Et moi aussi, hein. Il faudrait téléphoner au téléphone. Ah ouais, hein. Il y a un problème au téléphone, à mon ami. La ligne. Ah, moi, je crois, hein. Oh oui, c'est pas possible. Il a fait orage chez vous? Mais oui. Ouais, mais chez nous aussi, alors c'est peut-être un problème. Ah de... oui, il y a quelque chose sur la ligne, c'est pas possible. Ah ouais, ben je décroche et puis je tombe sur vous à chaque fois. Mais ah oui, vous, à chaque fois, je vous appelle pas, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Constamment, 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 constamment. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit un truc très important, il faudra téléphoner au téléphone. Bah ouais, c'est un téléphone, je crois pas si con qu'on le pensait, hein, quand même. Hein. Il faudra téléphoner au téléphone, c'est pas un con qui veut dire ça. Hein. Ah, mais ça fait un qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis la gendarmerie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et la gendarmerie. Bon, les amis, on contacte, ça s'est bien passé à la fin. Ah, c'est là. Voilà, c'était en premier sur l'appel des familles, franco-belge, c'était un double appel franco-sud-belge. Belge. Le double appel de Diffoul. Oui, premier sur l'appel des familles. En cette soirée de Noël sur Skyrock, on est... Bien fait! Ouais, 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 ouais! Quel petit con. Le Père Noël, il viendra pas te voir au cimetière, mec ton... C'est des blagues de Noël que t'as prévu? Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Des blagues de Noël? Ouais! Le Karim Comedy Club de Noël! Ça tombe bien, c'est le bon jour! Oui, c'est bien. Parce que Karim, on peut s'attendre à tout. Il peut nous faire le Karim Comedy Club du 1er avril. Oui, mais non, là, c'est Noël. Ouais, 24 décembre, Noël. Tout de suite, le Karim Comedy Club. Mesdames et messieurs, bienvenue au Karim Comedy Club. De Noël! Oui! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Le Père Noël est mort de rire, déjà. Rien qu'en voyant la tête de Karim. Oh, oh, oh! C'est gentil, Papa Noël. Alors, Karim. Ce con, il m'appelle Papa. Noël. T'as vu Romano, il n'y a pas que Cédric qui se laisse prendre. Bon, vraiment, non, la magie de Noël. C'est dingue. Oh, moi, tout à l'heure, il s'appelait pas Mella. Mais non, c'était Papa Noël. Mais t'as rien compris. Laisse tomber, Cédric. Voilà. Alors, Karim. Alors, qu'est-ce qui est vert qui monte un petit poids dans un ascenseur? Ah, il adore celle-là, le belge. Non, c'est pas ça. Ah bon? C'est lui qui est déçu, alors, là. Non, pas c'est ça. Quoi, alors? Bah, c'est un lutin sur les genoux du Père Noël. Ah, une autre là, t'as Noël, man. Ils sont verts, les lutins? Bah oui, bah ouais, ils sont verts. Ils sont verts. Ah ouais, bah écoutez, j'aurais découvert un truc. Si, oui, on est verts. Ah, ils sont verts. Ils le confirment, très bien. Alors, habille, hein. Une autre. C'est les schtroumpfs qui sont bleus. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Bon, alors, les schtroumpfs. Allez, une autre, c'est le fils de Monsieur Chang qui va voir son père et lui dit « Papa, papa, pour Noël, je veux un chien, s'il te plaît. » Son père, il lui dit « Son père, il lui dit « Non, non, t'auras de la dinde, du chien, t'en as déjà mangé hier. Oh. » Joyeux Noël, elle est super. C'est pas mal, ça aussi. Une petite taille pour finir. Allez, vas-y. C'est quoi un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël? Attends, putain, ça. Eh ben, c'est un chapin de Noël. Ouais. Oh, génial, génial. C'est pas mal, ça. Merci, merci. Quelle belle série de Noël. Joyeux Noël. J'en ai la larme à l'œil. Ah bah, merci. Vive le Karim Comedy Club. Et demain, c'est Noël encore demain. Hein. Ouais, t'inquiète. En fait, aujourd'hui, c'est le réveillon. Demain, c'est Noël. Il y en aura d'autres, man. Eh bien, c'était pas mal. C'est gentil. C'est bien. Bravo. Ouais. Merci, merci. Ouais. Bravo. Oh, Karim. Merci, public. Ouais. Il faut. Ça va? Tu t'en remets? Moi, c'est l'émotion, là. C'est la blague du chinois. Blague du chinois, elle m'a tué. Respire. Un autre double appel de Noël, c'est tout de suite sur la chaîne de Sly Guy. C'est vous qui choisissez les régions dans lesquelles on va. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le... Alors, on a le Berry, Berry-Maubeuge aussi. La Creuse, on nous a dit beaucoup au standard. Région parisienne, vous voulez qu'on y retourne? On fera peut-être ça. Mais là, j'en ai un du Berry, je sais pas si vous en rappelez, c'est le double appel La Pépette. La Pépette? Pas, double appel La Pépette? Bon, bah si vous vous souvenez pas, réécoutez ça. Si. Bah oui, La Pépette, c'est un bon double appel, ouais. Catel et Sophie 5, hop là, je suis en train de chercher le truc en direct comme je viens de prendre les résultats à l'instant sur le Minitel. Et c'est le soir de Noël, hein, allez-y, débarquez en direct sur Skyrock pour tout ce que vous voulez. 01 53 40 30 20, le Minitel fonctionne aussi. Et attention, le double appel, La Pépette, il est pour vous maintenant, c'est un des meilleurs double appels du millénaire sur Skyrock. Allez, on est parti, direction les chaumières de France, direction les familles de France et Berry. Et direction les familles du Berry aujourd'hui, deux familles qu'on va mettre en contact comme d'habitude, hein, vous savez, c'est double appel. On donne la parole aux familles sur Skyrock. Flora a testé deux familles. C'était Didier. Voilà, ça fait passer pour Didier. Et a priori, les deux familles sont chaudes et en pleine forme. Elles vont pouvoir s'exprimer en toute liberté sur Skyrock. Radio libre des familles, Skyrock. Quel privilège. Oui, le double appel, c'est parti. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour.
C'est qui l'appareil? Bah, c'est à vous à demander. Hein? C'est vous qui c'est? J'allais dire, c'est vous appeler quand même. Ouais, ça va la tronche ou quoi? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est monsieur... Lequel? Richard? Non, son fils. Et pourquoi que tu m'appelles? Hein? Pourquoi que t'appelles? Appelle qui? Bah, chez une, ici. On a appelé chez personne, hein. Oh, hé, hey. Tu téléphones ici, c'est que tu sais où c'est que t'appelles quand même. Ouais, bah, dis déjà, dis-moi qui c'est, après on verra. Bon, dis donc. Il n'y a pas de balidon. Hein? Il n'y a pas de balidon, dites-moi qui vous êtes au moins. Bah, tu devrais bien savoir c'est que t'appelles quand même. Oh, ouais, hey, oh, ça va la tête ou quoi? Bah, et ça fait. Oh, hey, ça fait déjà deux fois qu'on appelle. Ah, attends. Attends. Non, écoute-moi. Ouais. Parce que nous, on vient de nous appeler chez nous. Oui. On a dit, est-ce que Didier est là, je sais pas pourquoi. Oh non, mais on nous a pas dit qui c'était la première fois. Ouais, bah nous non plus. Bon. Et ici, toi, t'es qui? T'es le frère? Ouais, je suis le frère, oui. Ouais. Quel bordel là-dedans, terrible. Bon. Bon, bah excuse-moi. Ouais. Allez, au revoir. Allez, salut. Bonne ambiance, les familles. Elles se connaissent, les deux familles, en fait. Oui, c'est le con. Ah, bah dis donc. Bah dis donc. Bah dis donc. C'en est qui font le con. Elle met un coup de pression, hein, mort, la fille. Oui, on y retourne, hein. Tout de suite. Les familles se connaissent. T'en prends la tronche. T'en prends la tronche. Elles se connaissent. C'en est qui font les cons. Oui, ils se connaissent, ouais. Allô? Bon, il y en a pas un peu marre de vos bêtises, là, avec le téléphone? Vous n'arrêtez pas, moi, je préviens les flics, hein. Non, mais attends, là, tu peux mettre dans ta téléphone, comment j'appelle les flics, Sergei? Hé, Roger, laisse tomber. C'est vrai. Il a entendu la même chose que nous, hein. Moi, j'appelle les flics. Ouais. La police. Déjà, la police. Faut qu'on fasse attention, hein, tous les jours, la police. Bah, ouais. On se méfie, hein. On rappelle. Bah oui. Bah oui, il y a des rappels. Ah, Marie a envie, en plus. Bonne famille du Berry, hein. Évidemment. Oui. Allô? Oui. Qui c'est? Bon, vous allez arrêter votre bordel, oui? Hé, hey, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non, il me faut pas de ta gueule. Hé, hey, nous, ça fait au moins 10 fois que le téléphone sonne chez nous, hein? Quoi? Ça fait au moins 10 fois que le téléphone sonne chez nous. Non, mais on m'a dit, ça sonne chez moi, puis ça sonne chez vous, tu t'as pas de ma gueule? Hé, hey, c'est qui? Ça, c'est le Richard? Oui. Ouais, ben ça, c'est la pépette. La pépette. Eh ben, ça fait déjà 10 fois que le téléphone sonne, hein? Eh ben, c'est pas moi qui sonne chez vous, non? Bah, c'est toi qui viens de m'appeler, là, à l'instant. Hein? C'est... Je viens de répondre au téléphone, c'est toi que j'ai au téléphone. Mais ma poids, non. Oh, hé, tu te fous de moi aussi, toi. Écoute-moi, deux secondes, il y a un connard qui vient de téléponer il y a une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes. Hé, hey, comment t'as fait pour téléphoner chez nous, quoi? Oh, je te dis que c'est pas moi. Je viens de décrocher, là, le téléphone vient de sonner deux fois, je décroche, c'est toi qui au téléphone. Tiens, écoute, j'ai le Francis Pince chez nous, tiens, je te le passe, on me dit si je t'ai appelé. Bah, le téléphone, c'est non, c'est bizarre. Le allô? Téléphone, c'est le Richard au téléphone. Hey, hey. Oh, il dit que c'est Dominique. Mon Dieu, il vient de sonner le bordel. Dominique? Hey. C'est vrai ce qu'il te dit, hein? Bah, nous aussi. Bah, mon Dieu, il vient de sonner chez nous, le machin. Il vient de décrocher dans votre femme. Eh, tu sais, ils sont nés qui font des conneries, parce que hier soir, c'est déjà arrivé. Il y a le Manu, c'est l'ouvrier de chez le boulanger. Hey. Et bah, ils ont le même cas, le même coup. Hey, bah, et nous, on vient de décrocher à l'instant, hein? Ouais, ouais, mais ils arrêtent pas. Eh, ça peut pas venir d'une cabine, ça? Calorado qui fait le bordel? Ah, aucune idée. Non, mais comme j'ai dit mon nom, hein, il donne mon nom à chaque fois, cette mienne-là. Oui, mais là, c'est bien toi, Jay. Ouais. Bon, alors, Ouais. Parce que nous, ça vient de sonner, elle décroche, paf, c'est toi, hein. Ouais. Mais c'était pas moi, c'est pas possible. C'est toi que je parle. C'est toi qui a répondu. On n'a pas du tout appelé. J'ai pas appelé. Bah, et nous non plus, hein. Eh ben, oui, bah, on va payer les taxes de téléphone, oui. Non, 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 ça c'est des couilles. Ça s'en est qu'il faut le bordel et c'est tout, hein. Mais, oui, mais, hé, donne voir. Je viens de décrocher, c'est toi qu'au téléphone. Tout à l'heure, le Fred, il m'appelle, je réponds. Bon, je l'ai engueulé. Tout à l'heure, c'est le Fred qui téléphone. Tout à l'heure, le Fred. Je l'ai engueulé, tout à l'heure, le Fred. Bah oui, mais il croyait que c'était un golot de con qui faisait le bordel. Eh ben, comment qu'ils font alors pour que ça sonne chez nous et chez toi en même temps? Mais ça, c'en est qu'on sûrement un ou deux téléphones, hein, ils sont à deux ou trois à faire le bordel et ils téléphonent en même temps chez les gens. Moi, ça peut être que ça, hein. Et puis ils écoutent ce qu'on dit. Bah sûrement. Non, t'es pas en plus, franchement. Bon, bah allez, je raconte, décroche plus, là. Bon, bah allez, au revoir. Salut. Ah, ils ont pigé le principe du double appel. Ouais, ouais. La pépette, elle est pas conne. Okay. Il nous a posé sur la table. On est en plein milieu de la cuisine. On est dans la cuisine, donc peut-être dans le salon. On est peut-être devant TF1. De la cuisine de la pépette. Il nous a posé devant TF1 ou dans la cuisine, ouais. Sur le canapé. C'est le Richard. Voilà. Live en direct des familles. Une fois de plus, les familles se sont surpassées. Les familles du Berry à l'honneur sur Skyrock.
maintenant. Alors, tant attendu. Et oui, alors, 23h24, pratiquement 23h25, on est le 15 décembre de l'an 2000. Et il s'agit maintenant de souhaiter un joyeux Noël à Marie-Paul. L'agenda magique. À oui. M. Bon, alors, je rappelle à tout le monde qu'il ne faut pas prononcer son prénom. Non. Parce qu'en fait, c'est nous qui l'avons appelé Marie-Paul, on ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne s'appelle pas Marie-Paul. Elle s'appelle pas Marie-Paul, donc dès qu'on dit Marie-Paul, elle se rappelle de nous et tout de suite, elle raccroche le téléphone. Faut rien dire. Faut rien dire. Faut faire « Allô, madame ». Bonjour, oui. Madame. Bonjour, madame. Oui. Oui. C'est le service du père, oui. Le téléphone. On va aller, on appelle Marie-Paul. Allez, allez, c'est parti. 15 décembre 2000, vendredi soir sur Skyrock dans toute la France, 23h27. Émotion. Allez. Mon cœur, il bat. Ouais, ouais, ça stresse un peu. Bah. Allez. Ah, c'est impressionnant, quoi. Bah, ça fait, on l'a pas rappelé depuis les vacances, depuis la rentrée. On lui souhaite une bonne rentrée, vous rappelez. Chut. Chut. Qui c'est qui parle? Allô? 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 Oui? Bonjour? C'est le service du Père Noël au téléphone. Oh, oh, oh! C'est bonne fois. Le service du Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est pour les cadeaux. Les cadeaux de Noël. C'est que tu me donnes? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de Noël? Qu'est-ce que je veux comme cadeau de Noël? Oui. Oui. Toutes sortes de belles choses. Alors, quoi comme belles choses? Comme belle chose? Oui, comme belle chose. Set de salon. Un set de salon. D'accord. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Set de salon et le rein. Et? Set de salon et le rein. Et le rein? Oui. C'est quoi le rein? Le rein, parce qu'on peut se faire un bras, on peut se coucher dedans. Ah, on tire le set de salon. C'est un canapé. On tire le set de salon et on se couche dans le rein. Mmh. OK, tu veux autre chose? Non. Non, et ton mari, il veut quelque chose? Oui, un arrosoir électrique. Un arrosoir. Philly Shave. Un arrosoir électrique. Philly Shave. J'en dis, voilà, c'est le service du Père Noël. Charles. Oh, 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 c'est le Père Noël. Bonjour, Père Noël. Bonjour, bonjour. Oh, 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 je suis le Père Noël. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie-Paul. Marie-Paul. Et Charles, il va bien, Charles? Oui, il va très bien, Charles. Alors, il veut l'arrosoir électrique? Oui. Et ta fillotte, elle veut quoi? Ma fille, Marcel, si tu veux, si tu veux. Marcel. Viens, Marcel. Marcel. Martine! Hello! Hello! Oui? Oh, oh, oh! C'est le Père Noël! Qu'est-ce qu'elle veut, Martine? Marcel! Qu'est-ce qu'elle veut, Martine? Comme cadeau de Noël. Un parfum! Neige! Qu'est-ce qu'elle veut comme parfum? Neige! Neige! Elle veut neige! Le parfum neige! Oui, le parfum neige! Neige pour, ils sont bons. Pour la Martine. Alors, j'ai bien noté. Est-ce qu'elle a été sage? Ah, oh, j'ai été très sage! Très bien. Et Marie-Paul, elle a été sage? Comment? Marie-Paul, elle a été sage? On va dire. Comment? On va dire. OK. Et Charles? Et Charles, il est sage? Mon père? Oui. Très gentil. Passe-moi ton père. Oui, à c'est pour poche. D'avoir des renseignements sur l'arrosoir électrique. Oui, pas de problème. Merci. Pour le modèle. Viens, toi. Oh, les voix qu'ils ont, putain, c'est... Il a des salives. Oh, c'est si allô? Allô? Oui. Charles. Charles. Ça va? Charles. Oui. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël. Ah, je comprends. Charles, oui. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, un beau rasoir de Saint-Chardien. Ah, un rasoir! Moi, j'avais qu'un prix, un arrosoir électrique. Non, un rasoir électrique pour la barbe. Un rasoir électrique pour la barbe. Un Philly Shave. Hein? Tu veux un Philly Shave? De Philly. C'est ça. C'est ça. Donc ça pour Noël. C'est ça. OK. Il n'y a plus personne dans la maison? Ben, tu veux pas un, oui? Tu veux pas un litre de gnôle? Comment? Un petit litre de gnôle. Un jerrycan de gnôle. Un peu de gnôle pour Charles. Attends. Non, il veut un rasoir électrique. D'accord, un rasoir électrique. Alors, on résume. Philly Shave. Philly Shave. Philly Shave. Ah, OK, on résume alors. Pour Marie-Paul. Pour Marie-Paul. Oui. On prend un set de salon et le rein. Eh, Mandou, tu vas t'appauvrir avec elle. Alors, pour Marie-Paul, le set de... Oh, 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 c'est le Père Noël. Pour Charles, le mari, un rasoir électrique Philly Shave. C'est ça. Voilà, et pour toi?
La fille haute. La fille haute Martine. Ouais, oui. Tu veux quoi? Ouais, oui. Le parfum neige. Ah, le parfum neige. Neige. Pas de, neige. Neige. Pas de problème, le parfum neige. On va envoyer tous. Est-ce que après tu... ça, ma soeur, elle. Hé, hey, la soeur. Ma soeur, Claire. Ah, la sœur Claire! Oh, excuse-moi! Elle a quel âge? On l'avait oublié. Claire, elle a 29 ans. Oh là, elle est grande, Claire! Et toi, t'as quel âge? Elle est grande, elle veut avoir des cadeaux aussi. Alors, elle veut quoi, Claire? Claire, qu'est-ce qu'elle veut? Oui. Un stéréo. Un stéréo? Un stéréo en radio-cassette. Un stérilet? Un radio-cassette avec le laser. Un radio-cassette avec le laser. Avec le laser. OK. Est-ce qu'elle a été sage? Et le PD, là? Ouais, pour écouter des disques de Noël. Ah, un disque de Noël. C'est quoi les disques de Noël que tu veux? Parce que je vais lui envoyer des disques aussi de Noël. Ah, ben, il y a Ginette Renaud. Ginette. C'est très populaire de Facebook. Alors... Ginette Renaud. Ginette Renaud. Ils ont du poids d'accoucher sur Ginette. Alors, oh, je le pardon. Rac voisine. OK. Céline Dion. Juliette B... Comment ça s'appelle? Non, pas Céline Dion, elle est sympathique, elle. Elle est pas sympathique. Avec son nez. Tu l'aimes pas, Céline Dion? Oui, elle est bien fine, non, mais c'est à cause qu'elle est enceinte. Il faut lui donner une chance d'avoir son bébé. Ah! D'avoir son bébé. Ben oui, il faut qu'elle ait une chance d'avoir son bébé. Elle est sympathique. Elle est tellement sympathique, il faut qu'elle ait une chance d'avoir son bébé. Ben oui. Et alors, Rock voisine. Et puis? Rock voisine, Ginette Renaud. Yeah. René Martel pour papa. René Martel pour papa. OK. Voilà, ça c'est pour mettre dans la stéréo. OK? C'est ça. Bon, c'est ça. Je vous tiens au courant la semaine prochaine pour votre commande. Tu parles à une de mes amies? Oui. Ah, oui. Allez, vas-y, balance. C'est Lynn qu'elle s'appelle. Ben d'accord, passe-moi Lynn. OK, attends un petit peu. OK. Hey, je Lynn, parce que j'ai pas envie de tuer. Vous qui sont là. Oui. On va leur envoyer les cadeaux. Moi, comme cadeau de Noël. Je m'enverrai par la poste un beau grand gars de 6 pieds d'os. Alors, un beau gonga. Avec des belles fesses, des beaux yeux verts, le teint bronzé puis cheveux bruns. Alors, tu veux taper un chum? Ah, ben, faut qu'il y ait une belle grosse poche parce qu'il se vide qu'une fois par année. Une belle grosse poche parce qu'il se vide qu'une fois par an. Faut qu'il y ait des grosses couilles. Je pense que mon ami est folle. Tu veux un garçon avec des grosses couilles? Des gros gosses. Des grosses poches. Des grosses poches. Ah, et pourquoi on peut... Hey, Lynn. Lynn. Oh. Lynn. Elle veut plus parler du fun, là. Tu l'as fait rire. Ils ont vu trop de gnôles. Je l'avais rire. Hey, Lynn. Oh. Hey, Lynn, tu vas au cul qu'une fois par an? Hein, Lynn? Ça a l'air fait ça, elle. Oh, et Québécois. Elle dit qu'elle veut un homme gonflable. Un homme gonflable, OK. Donc un homme gonflable avec pour des Lynn. Grosses couilles. Un homme gonflable. Avec une grosse poche. Pour Lynn, avec une grosse poche. Repassez-nous la mère de famille, Marie-Paul. Oui, allez. Oh. OK. Au revoir, allô? Lynn. Marie-Paul. Oui, donc je rappellerai la semaine prochaine pour la commande et on va vous envoyer les cadeaux de Noël. C'est parfait. OK. Gros bisous. Gros bisous. Oh. Gros bisous. Merci, joyeux Noël. Fais-nous un bisou. Joyeux Noël. À vous aussi. Joyeux Noël. Elle nous a dit joyeux Noël. Merci, elle nous a dit en plus. Bonjour. Au revoir, bonjour. Bonjour. Elle nous a dit merci, joyeux Noël. Elle nous a pas reconnu. Hein. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle nous a pas reconnu. Elle était sympa, là. Oh putain. Hey, joyeux Noël. Oui, on a incroyable. On a battu les records, on n'a jamais tenu aussi longtemps avec Marie-Paul. Ah, Marie-Paul, là. Elle nous a souhaité joyeux Noël. Et on aura eu toute elle la famille. Elle a dit merci. Elle a eu Charles. Charles, qu'est-ce qu'il est con. Charles était bourré, Lynn était complètement bourré. Elle a vu un homme gonflable, elle va se faire défoncer par un homme gonflable. Ah, quelle grosse poche. Et comme vous l'avez entendu, pour la semaine, j'ai fait un happening pour la semaine prochaine. Ah ouais, la semaine prochaine, c'est bon, la poche. La semaine prochaine, on rappelle chez Marie-Paul. Shave. J'ai compris, un arrosoir électrique. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un arrosoir électrique. Alors l'autre qui demande un set de salon avec et le rat. Je veux le rat. C'est quoi le rat? Au début j'avais compris, je veux un rat. Alors, je dis, un salon avec un rat dedans. Après, un rein. Je dis un rein. Des problèmes de rein. Non, c'est un rein. C'est un canapé. Ouais, qui se déplie, qui fait lit quoi. Un canapé. Un clic-clac, voilà. Ils appellent ça un rein. Voilà. Au lieu de dire clic-clac, ils disent un set de salon et un rein. Qu'est-ce que tu veux? Un clic-clac. Ah, non, un set de salon avec un rein. Et un rein à l'intérieur. Ça fait, Marie-Paul, ça fait quoi? Ça fait 3 ans? Oui. C'est la première fois qu'elle nous dit bisous. Oui, joyeux Noël. Elle aime bien le Père Noël. Hein. Merci, elle aime bien le Père Noël. Nous savons que tu es ici et que tu es tout seul, cher enfant. Eh oui, allez mon garçon, ouvre la porte. Ah ouais,
C'est un gosse, les gosses, c'est stupide. C'est l'heure des cadeaux de Noël. Ah, là, je crois que cadeaux. C'est une des plus belles soirées de l'année pour moi. Quoi. Et Romano, j'ai appris que t'avais deux cadeaux et que les autres, ils en avaient qu'un. Et ça... Et voilà, ouais, c'est super. Vive Noël. Ouais, alors. Merci, Papa Noël. Oh, de rien, Romano, je voterai toi au clash. Il commence à péter les plombs. Ouais. Alors, j'ai pour Bonsoir, Marie. Je suis la dinde. Oui, Marie, c'est bien. Mais arrête de me prendre pour une dinde. Tiens, Marie, ton cadeau, c'est ça. Ah, merci. Dès que j'ai ta la gueule, tiens, prends ça. Romano, ton cadeau, c'est ça. T'en as deux cadeaux. T'as ouais, bah vas-y, joue. Ah, la chance, deux t'as celui-ci, tu peux ouvrir. Samy, ton cadeau, c'est génial, ça. Attendez, on les ouvre les uns derrière les autres. Cédric, ton cadeau, c'est moi qui t'ai acheté, c'est ça. Gentil. Momo, ton cadeau, c'est gentil, ça. Merci. Et Karim, ton cadeau, c'est ça. Cimer, moi. Dis full ta tablette, non, je te la donnerai après, parce que je pense que ça sera le plus beau des cadeaux. Vous savez que vous me faites super plaisir avec une tablette. Moi, c'est lourd. Ah, c'est lourd, toi. Ouais, c'est lourd. C'est léger. Moi, c'est léger. Moi, ouais, je pense moi, que... moi aussi, c'est light. J'ai peur d'être très, très déçu. Bon, Romano, t'as deux cadeaux. Commence par ouvrir ton premier. Bah, il est où mon deuxième? Bah, deuxième, bah, c'est Karim qui te le donne juste après. Ah. Oui. Karim a fait quelque chose de pas bien, mais vraiment pour te faire plaisir. Alors. C'est quoi? Romano, qu'est-ce que c'est ton cadeau? Oh, une écharpe. Une écharpe comme une Miss France. Oh. Wow. Qu'est-ce qui est écrit sur l'écharpe? Romano, prince du hip-hop et roi du clash de la drague. Ouais, wow. Oh, mais c'est magnifique! C'est le Père Noël Momo qui a fait ça. Ça, c'est le cadeau de Momo de la part de toute l'équipe. Allez, Momo, reprends-moi. Ouais. Il est content, merci, Momo. T'es content? Momo, t'as ta belle écharpe. Tu veux que je te fasse un bisou, Momo? Non, merci. Allez, viens, Momo, je vais te faire un petit câlin, allez. Un bisou de Noël. Alors, Marie, à toi. Alors, j'y vais. Allez, Marie. Il est content, hein? Marie, je sais pas ce que c'est, Marie. Tu vois un gland, Marie. Tu vois un gland? Ouais. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le plus beau cadeau du monde, il y a un gland. C'est une bite. Oh là, je suis jaloux, il y a un gland. Du calme, Cédric. C'est une bite qui marche, Marie. Ah, une bite sauteuse, c'est super. Oh là, je vais essayer d'attraper avec toi, la bûche. Elle vient vers toi, Diffoul. Elle va vers Cédric. Ouais, bien sûr. Ah non, elle vient vers Cédric. Elle venait vers moi, elle a tourné, elle vient vers toi, Cédric. Ouais. Elle a envie que je la gobe. Ça, c'est le bruit de la bite à Marie. Ah, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. M'amuser avec. Un gros gland qui marche. Et si tu te la mets, Marie, ça, elle bouge comme ça, c'est bien? Non, non, je m'en fous. C'est, elle est trop petite, non? Ça peut servir de gode. Elle est peut-être un peu petite. Ouais. Non, mais elle a les boules qui bougent. Bah oui. Tiens, Momo, tu feras un film de la bite qui marche, mais sur ouais, tu mettras ça sur Instagram, Momo. Sur un terrain plat. Cédric, à toi maintenant. Allez. Alors Cédric, c'est moi qui lui ai acheté un truc. Et comme c'est le plus cultivé de l'équipe, je lui ai acheté un livre. Oh, il va dire. Eh oui, un livre. Moi, je sais pas lire. Si, oh, c'est si, quoi, il si. Y a que des images. Éjaculation précoce, comment comprendre pour agir, non, monsieur. Comment comprendre pour agir, oui. Bah, ça, c'est bien, c'est un cadeau utile. Ouais. C'est bien, ça. C'est bien, c'est où que t'as trouvé bah, ça. Tu le lis, Cédric. Éjaculation précoce, comprendre pour agir, un livre que je t'ai acheté moi-même. Ouais, l'éjaculation survient trop vite. Ah bah, ça, c'est sûr. Oui, bah, c'est ça, précoce, il vient de comprendre. Et comme Cédric, tu nous dis régulièrement, excusez-moi, j'arrête la musique. En fait. Ah bah oui. Et tu nous rajoutes. Pour présenter précoce. Eh ben, je me suis dit, un beau cadeau pour toi de la part de toute l'équipe. Joyeux Noël. Ouais, et puis nous a merci, coûté merci. Cher. Hein. Oui, ah bah non, j'ai récupéré, c'est un prospectus. C'est un truc gratuit. Non, maudit, ça a coûté cher. Oh, ça a coûté. Pff, là, les yeux de la tête. Ah, c'est clair. Moi, je vais pas m'en remettre, j'ai fait un crédit sur 20 ans. Oh bah putain. Allez, j'ouvre mon cadeau, moi. Samy, à toi. Sachez que l'éjaculation précoce touche un homme sur cinq. Ah bah t'es dedans, voilà. Ah bah voilà, nickel. Oh, Momo, Samy. Qu'est-ce que c'est, ça? Un bonnet? Un bonnet magnifique. Un bonnet de Noël bleu et blanc. Et joli. Paris Saint-Germain va te faire. Il est grand. Bah, essaye-le. Oh, vous êtes vraiment défi. Non, il est bien là. Et t'as un peu. Essaye-le. Je sais pas qui faisait des trucs du Père Noël, le Paris mais Saint-Germain. Vous êtes trollé, Momo. Mais putain, mais vous êtes trollé de Noël. Moi, j'en ai un. Et oh, mais c'est un bonnet de lutin avec écrit PSG dessus. Mais et c'est écrit. Ah, tu me le donnes, je vais au prochain match. Joyeuse fête. Joyeuse fête dessus. Eh, mais c'est. Vas-y, mets-le, Karim. Mets-le, Karim. Je te le prête. Bah, non, Karim. Samy, mets-le, c'est ton cadeau. C'est vrai, il a raison, Romano. C'est ton cadeau. Ah ouais, il te va bien toi, Karim. Ah, ah la gueule de bonnet. Con. Grave, non PSG. Vous voyez pas PSG là. Ouais, j'ai pas eu ce fait. Bon bah Samy, c'est pour toi. Merci Momo. Oh, moi si t'en veux pas, je vais bien le récupérer parce que j'aime trop les cadeaux. C'est comme c'est moche. Gros. Et pour faire du ski, Momo, ton cadeau. Et après ton deuxième cadeau, Romano, et mon cadeau à moi, ma tablette. Et mon cadeau à moi aussi. Attention, Momo ouvre. C'est quoi ça? Bah c'est quoi ça, Momo? Momo, c'est de ma part. Non, c'est le DVD de l'OM. Mais non. C'est la légende de l'OM, ça s'appelle. Oh, super. Tu pourras te cultiver sur les champions de France. Ah, tu verras ce que c'est les champions. Sur les prochains champions de France, Momo, tu verras. Merci, Samy, c'est gentil. Et Karim, alors maintenant Karim qui ouvre son gros paquet cadeau. C'est lui qui a le cadeau le plus lourd. C'est bizarre que ma tablette soit pas plus lourde que le cadeau de Karim. Non, mais c'est le dernier modèle, elle est extraordinaire. J'aime bien. Les meilleures blagues 2015 à hurler de rire. Ah putain, il y en a un paquet en plus. Prends-en une au hasard. C'est énorme. Prends-en une au hasard. Prends celle de Noël de l'année prochaine. Alors attends. Donc c'est le 25 décembre. Ah, c'est un calendrier. Calendrier des blagues. Oh les.
Alors, deux vieillards sont assis sur un banc. La plus belle chose sur terre, mon petit gars, c'est encore de faire l'amour. Peut-être pour toi, répond l'hôte. Mais pour moi, c'est Noël. Mais pour moi, c'est Noël. Ah bon, pourquoi Noël? Parce que ça vient plus souvent. Okay. C'est vraiment un super cadeau. Péter ton livre. Pas tombé sur la bonne. J'ai peur pour les blagues de l'année prochaine, moi, dans l'émission. Karine, les meilleures blagues 2015. Romano, ton deuxième cadeau. Alors, mon deuxième cadeau, il est où? Le voici. On parlait de fausse monnaie l'autre jour dans l'émission. Eh bien, tiens. Ah ouais. Tu as des billets géants de 500 euros. Bravo. Peut-être qu'il vaut plus parce qu'il est géant. Non, j'ai même les 200 euros. Oui, t'es là. Les 100 euros, 50 euros, 20 euros, 10 euros. Et ça fait 885 euros, man. 885 euros de billets. Trop riche, wow. Alors, c'est des faux, Romano, on te le dit. Faut les faire passer, je suis pas sûr que ça passe. Ouais, en plus, c'est bien, il faut la bonne taille. C'est juste une feuille à 4. Bon, Eddy Full, maintenant, voici ton cadeau. Oui, gueule. Ça s'était calmé. J'ai remis la gueule en même temps. Où est mon cadeau? Voici la tablette. Waouh! Non, mais t'as quoi, vu, elle est extra plate et tout. Hein. Non, mais elle est minuscule, on dirait un téléphone. Ouais, mais c'est, iPhone, c'est peut-être une mini tablette. C'est un iPad mini. Mini plus. On dirait un téléphone long. Alors. C'est l'iPhone 6 Plus, bâtard. L'iPhone 6 Plus, tu crois que j'ai l'iPhone 6 Plus? Ah, bah ça a la taille en tout cas. Je m'en doutais pas du tout en plus. Je ne savais pas que Milka faisait des tablettes. Ah ouais. C'est l'iPhone noisette. L'iPhone noisette. C'est marrant parce qu'il y a autant de boutons que sur la tête de Cédric. Je sens à travers le truc là. Ouais, t'as vu? Des morceaux de noisette. Mais du coup, il est bon, j'en prendrais bien carré. En plus, il te fait un cadeau, il te le taxe. Non, mais non seulement je devais avoir une tablette, je récupère une tablette de chocolat, mais en plus, il faut que je lui en donne. Non, mais si tu c'est mon chocolat, il est à moi, Romano. Non, mais je te prête mon écharpe. Non, mais je suis pas prince du ni du clash de la drague. Moi, je te donne mon bonnet de merde du PSG, j'en veux plus. Il y a Karim déjà qui l'a pris. Cédric, il est en train de lire son truc depuis tout à l'heure. Ouais. Très intéressant. Oh, je m'instruis, ouais. Je réponds à un test. Éjaculez-vous en moins de 2 secondes. Vous savez qu'en 5 minutes, j'ai lu une ligne. Bravo, Cédric. Putain, moi, mon truc, le gland s'ouvre. Ah, Marie est partie dans l'exploration de la bite qui saute. Oui, Marie, elle joue avec sa bite. Elle s'éclate. Hein. J'adore. Trouve mon cul, la bite. Et voilà où qu'il est, c'est où que ça pue, un indice. Un deuxième indice. Allez, il est là. C'est par là. Eh bien, joyeux Noël à vous. Petite pensée pour ceux qui sont tous seuls en ce jour de Noël. Et qui nous écoutent ce soir. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. C'est le Père Noël qui vous le dit. Même le Père Noël est là pour vous. Est-ce que je peux vous parler une minute? Il me semble t'avoir déjà dit que tu me cassais les pieds. Alors, tu balais, hein? Et tout de suite, très romantique. Le clash! Ouais. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Eh oui. Et tous les coups sont permis. Pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Ouais. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est quoi ce bruit là? Il y a eu des parasites, j'ai entendu des parasites sur le jingle. Ah, je sais pas, c'est bizarre. On va être brouillé, il y a quelqu'un qui nous brouille. Mais moi, tu sais pas le Père Noël. Je crois que c'est mon adversaire, il est mal. Alors, spécial Noël justement pour ce clash de la drague. Ouais, attention, attention, ils sont là tous les deux, Cédric, Romano. On y va tout de suite. Qui c'est? C'est quoi ce bruit? Ouais, je t'inquiète, c'est moi. Cédric. Cédric. Alors, c'est pourquoi t'as mis ton pince-nez, Cédric? Oh là, bon gosse. C'est comme ça qu'il drague l'été, Cédric. Il met un pince-nez pour draguer sur la plage. Ça, c'est la classe. Quand je vais nager, je t'inquiète. Ta gueule. Je t'inquiète, tes gonzesses. Alors, Cédric, t'es monté sur le ring. Romano, on va t'aider un peu. Hein. Allez, hop là. Hop là, ça y est. Toc, tac, j'ai gigote un peu. J'intimide mon adversaire. Je tourne autour de lui. Je lui dis, commandant baby. Bon, alors la méthode du Père Noël pour Romano, la méthode du cadeau de Noël pour Cédric, ligne numéro 8 pour Cédric. Première ligne qu'on appelle ce soir, au hasard. Séverine. Et au hasard, on a choisi Séverine. Séverine. Séverine, Cédric, bonne chance à toi. C'est parti pour le clash et n'oubliez pas que vous pourrez voter tout à l'heure. Allô? 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 Ah, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, Séverine, elle est là? Oui, c'est de la part de qui? Bah, c'est de la part de Marc au téléphone. C'était pour son petit cadeau de Noël. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Non. Voilà. Ah, écoute, je peux voir avec toi, sinon, si ça te dérange. Bah, ouais. Ouais, bah, écoute, je voulais passer ce soir à la maison pour lui faire un petit cadeau. Ça te dérangerait pas que je vienne la voir, une petite surprise? Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde à la maison. Ouais, ouais, t'as raison. Que je débarque dans 5-10 minutes, là, hop, je lui fais un petit cadeau. Et puis après, ben, on fait tous l'amour ensemble. Oula. Ça, c'est la surprise. Ouais, ouais. Enfin, je t'en parle à toi, mais. Essayer, ouais. Je t'en parle à toi, mais lui, dis pas, quoi. Ça reste une petite surprise. Tu peux essayer, entre ouais. Hein? Tente de venir, ouais, vas-y. Ouais, bah ouais, je vais venir, ouais. Ah.
Ouais, ouais, bah vas-y. Moi, je sens que ça te ferait plaisir que je vienne te voir. Ouais, ouais, tente ta chance. Ouais. Hein? Oh, bah oui, je veux tenter ma chance. Ah ouais. Dis à Séverine de se préparer et de se faire belle. Ouais, ouais. Dis-lui qu'il y a une surprise qui arrive et que je vais lui faire l'amour toute la nuit, tiens. Ouais, ouais. Je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi aussi. Mais ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc à trois? Je te sens chaud ce soir. Ouais, ouais, tu peux tenter, mon gars. Ouais? Ça te dirait que je te fasse l'amour à toi aussi? Ouais, ouais. Tu vas tenter, mais est-ce que tu vas réussir? Allez, mais Cédric. Ça, bien sûr, je vais réussir de lui faire l'amour. Allez, Cédric. Je sens que t'as envie que je te fasse l'amour. Allô? Eh, tu t'as pas un délire tout seul, si? Non? Ah, Séverine. C'est ça. Allô, ma chérie, ça tombe bien, c'est à toi que je voulais parler. C'est ça. Est-ce que je connais pas des brûleurs de ton genre, alors. Non, mais j'ai envie de te voir ce soir, c'est possible ou pas? Ah, oui. Ouais, ouais. T'es comme possible, je vais te foutre sur ta gueule, gros bâtard. Ah, bah écoute, ouais. Et puis j'espère que tu pourrais te faire l'amour quand même, un minimum. Bah, si vous avez que ça à foutre de réveiller les gosses, hein. Bah, c'est toi que j'ai envie de réveiller, j'ai envie de te faire l'amour à toi. Ouais, bah, t'as qu'à te branler tout seul, espèce de gros bâtard. Allez, je sens que t'as envie que je te fasse l'amour, toi. C'est dommage. Allô, ma chérie. Ouais, ta gueule est pauvre. Bon, allez, Séverine. Eh, hey, je laisserai ton mari me faire l'amour s'il veut. Ouais, va te faire enculer, hey, bâtard. Là. Ce que je fais, c'est que. Parce que sont quoi? Rappelle pas mon gaillard parce qu'on appelle les flics. Ah, bah écoute, plus on rit, j'ai envie de te dire. Voilà où on en est. Ah, mais dis à ton mec, je viens. Apparemment, t'es pas tout seul. Non, non, mais. T'as fait enculer par ta copine, espèce de bâtard. Je veux pas, moi. Si ton mec il veut venir me faire les fesses, y'a pas de problème, hein. Ouais, ouais, vous avez que ça à foutre. Est-ce que tu penses. Pour emmerder le monde. Est-ce que tu penses qu'il va y arriver au moins? Parce que on vous emmerde, je suis sûr que je vais l'impressionner. Je vais venir, je vais te faire l'amour, et puis lui va être là, comme ça, il va me regarder, il va prendre une leçon. Alors, ouais. J'ai pas d'appétit pour qu'il fasse l'amour, parce que c'est bâtard. Non, mais ils vont en apprendre ce soir. Pas un petit. Ils vont en apprendre et pas qu'un peu, j'ai envie de te dire. C'est bon, mon numéro, je vous en prie. Vous avez que ça à foutre de téléphoner aux gens? Eh, repasse-moi ton mec, vas-y. Non, il part pas au branleur. Eh, dis-lui que j'ai envie de lui faire l'amour, ça se voit. Parle mal. Ouais. Et t'es franc avec tes copains, petit con? Ah, bah non, mais je vais les laisser à la maison, hein, puis je vais venir tout seul. Ouais. Tu sais, moi j'ai envie de te voir un petit peu avec ton mari. Ouais, t'as raison. Je te connais pas, moi, alors t'as pas me parler. Bah, justement, on va faire connaissance, Séverine, tu sais, c'est comme ça. Je vais faire connaissance, j'ai besoin de branler de ton genre. Pour Noël, je te fais l'amour toute la nuit, ça te dit ou pas? Ouais, t'as raison, j'ai besoin de type pour me faire l'amour. Ça, c'est un beau cadeau, ça, pour Noël. Un petit. Hein? On rigole, ta gueule, gros con. Tu vas voir l'engin, tu verras. Ouais. Tu vas pas être déçu. À l'engin, c'est toi, c'est un ça. Un sacré paquet. Ouais. À l'engin. Ouais, vous avez ça à foutre, vous avez vraiment des fainéants à téléphoner aux gens, en mer et le monde. Ah non, mais j'ai envie de venir, excuse-moi, j'ai envie de. Je t'appelle avant de venir. Bah, viens, t'attends, c'est trop con. Tu sais que c'est un moment de politesse que je t'appelle avant de venir quand même. Ouais, bah viens. Mais tu m'attends ou pas? Ouais, viens, y'a pas de problème, viens. Ouais, bah, fais-toi belle, j'arrive et je te fais l'amour, d'accord? Ouais, j'ai besoin de faire belle, ni. Espèce de branleur. Bah, fais-toi belle quand même, minimum. Ta gueule, connard. Moi, je me suis lavé, je me suis fait raccrocher. Oh, elle a raccroché. Elle m'a dit de venir quand même. Ouais, non, mais c'est mort. Oh, elle a raccroché. Mort, ah, si, elle m'a dit de venir. Ce sera à vous de décider si c'est mort ou pas. Vous êtes se fait traiter de bâtard tout l'appel, s'il te plaît. Mais bon. Je pense que j'ai un petit bâtard. On était dans le nord, là, il me semble. Hein. Ah, bah, bon. On a eu quelques petits. Salut, alors, vive les nordistes, on nous dit sur SMS. Mais oui, on était bien chez les nordistes. Hein, en tout cas, vous, les nordistes, vous l'avez maltraité, le man. Pauvre Cédricain. Bah, elle m'attend, tout à l'heure. Alors, on va donc maintenant passer à toi. Bâtard, j'ai pas besoin de petit bâtard. Ouais. À la limite, Cédric, c'était pas mal, moi. J'ai bien aimé l'appel, elle était marrante. Oui, bon, ça, il s'est fait mettre à l'avant. Bien rigolé. Mais bon, on peut dire qu'il y a invitation. Ah, tu peux venir, elle te l'a dit, mais bon. Essaye de faire mieux, Romano. Ligne numéro 7 pour toi, c'est parti. C'est la méthode du Père Noël. Comment draguer grâce à la méthode du Père Noël? Voici tout de suite la démonstration. Vas-y, vas-y, c'est Pascal. Vas-y, vas-y, c'est facile. Vas-y. Pascal, allez. Homme. Allez. Romano va-t-il réussir à séduire ce soir? Ah, j'espère. Allô? Allô? Allô, Pascal? Ouais. Ouais, comment ça va? Ça va? Ça va. Yo, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis? Ouais, je fais le Père Noël, là, au supermarché du coin, là. Tu m'as pas vu? Non. Non? Bon, dis donc, là, demain, j'aurai besoin de ta femme, là, pour qu'elle fasse la Mère Noël avec moi, là. Ouais, d'accord. Ouais, ça te dérange pas que je passe vous voir, vite fait? Si. Ouais, bon, si, comme ça, je pourrais tester un peu la Mère Noël ce soir, quoi. Oh, oh merde. Oh, échec total. Même pas d'invitation. Même pas d'invitation, rien. Même pas un bâtard. Cédric, il y en a qui ont compté. Il y a eu 21 bâtards pour toi. 21, tout à l'heure. 21 bâtards. Alors, Romano. Putain, bon, j'aimerais bien un deuxième tour. Non, ça va aller, on a déjà un appel. Non, mais là, il y a personne qui a serré, donc il faut faire un deuxième tour. Moi, je me fais inviter. Hein? Moi, je me fais inviter. Bon, oui, mais prends le pas. Le but du clash, c'est quoi? C'est de se faire inviter à se faire casser la gueule ou alors de coucher avec quelqu'un? À coucher avec quelqu'un. Et voilà. Je couche pas avec, hein. Je donne donc un deuxième tour. Cédric, ligne numéro 7 pour toi. Allez, je vais chez qui? Tu vas chez Brigitte. Brigitte. Bonne chance avec Brigitte, Cédric. Ouais, bah oui, écoute. Je suis précoce, en fait. Ouais, Cédric. Bon, Brigitte. Bah oui, c'est Brigitte. C'est parti pour Brigitte.
Je croise les doigts. Pourquoi faire, tu croises les doigts? Pour Cédric. Hein. Ah, bah, c'est gentil. Allô, Brigitte. Pour qu'il lose. Ah. Allô. Oui. Comment ça va, Brigitte? Tu vas bien? C'est Marc au téléphone. Voilà. Oh, attends. Ouais, ouais. Attends, on n'a pas perdu de temps. C'était presque, c'était même plus rapide que Romano il y a un instant. Ah, tu pouvais bien te foutre de ma gueule, tu vois. Mais bon, c'est lui qui a été invité une fois, je te rappelle. Pas mal. Ouais, bon, attends, là, il a rien été invité du tout. Il se faisait traiter de bâtard. Ben oui, mais 21 fois, c'est quand même pas mal. Mais toi, bon, t'as rien fait, mon pote. À toi, Romano. C'est allez. Parti, ligne numéro 8 pour toi. Chez Olivier. Ce sera peut-être le dernier coup de fil du clash et après vous pourrez peut-être voter. En tout cas, on n'est pas loin des votes du clash. À Catherine. Il faudrait savoir là, déjà, c'est panique à bord. C'est Catherine. C'est Catherine. Allez. C'est... Allô? Allô? Ouais. Ouais. C'est... Ah, c'est pas Catherine ça? Catherine. Eh, Catherine, c'est ta femme? Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est Jean... qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Ouais, je fais Jean-Louis, moi je m'appelle. Disons, tu sais, je suis Père Noël là, je fais Père Noël, tu sais, je me déguise là pour les gamins dans les supermarchés là. Tu m'entends? Olivier? Tu cherches Catherine qui? Bah, elle est ta femme, c'est elle que je veux. En fait, parce que je voudrais la prendre pour qu'elle fasse Mère Noël avec moi demain là. Et je voulais passer la voir ce soir pour tester un peu la Mère Noël, voir un peu comment ça se passe quoi. C'est qui toi, mon gars? Bah, je suis un copain à elle, tranquille. Je voudrais venir la voir ce soir là, tu sais que ça je passerai un petit moment avec elle dans la chambre à coucher, ça te dérange pas trop. Je peux venir? C'est quoi ces conneries là? Non, non, mais c'est pas des conneries. Moi je suis Père Noël, elle va faire Mère Noël. Père Noël, Mère ouais, Noël. Ouais, ouais, puis moi, mon poil à la gueule, tu le veux? Bah, si tu veux que je vienne, je peux venir tout de suite. Ah bah viens, viens, viens chez moi. Eh bah j'espère que je vais venir. Par contre, moi je te préviens, je vais m'occuper de ta femme, hein. Allô? Olivier? Il s'appelle con. Olivier, il s'appelle. Elle passe con, il s'appelle Olivier. Pas gentil, Romano. Il était gentil, je le monsieur. Crois que t'as raccroché. Il t'a invité. Mais non, attends, il est pas coupé là. Si, si, il a coupé là. Quand est-ce qu'il a coupé? Il a raccroché. Eh non, mais je savais plus comment il s'appelait ce mec. Il s'appelait Olivier. Ouais, il était gentil, Olivier, il t'a invité. Bon, j'ai été invité à me prendre un coup de poing sur la gueule. Bon. Alors, on est à une invitation partout. Bon, moi, bah, c'est serré, c'est serré. Ah ouais, allez, un troisième tour. Qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Ouais, tu... troisième tour, vas-y. Tu veux un troisième tour? Tu tentes le tout pour le tout. Ah bah ouais. Très bien, Romano. Moi aussi, je tente tout. J'ai un peu d'accord, le man. Toi aussi, tu tentes tout. Je crois qu'il est mal, le man. Vous l'avez entendu tout, c'est alors, attention. Non, non, je suis pas mal, gros. Je me suis fait inviter, j'en ai fait autant que toi, voire plus. Ouais. Enfin, moi, c'est un voir peu plus. Voir plus, bah toi. Écoute, moi, y a un coup de poing dans la gueule. Toi, mis à part te faire insulter de bâtard, y a rien, ma gueule. Bâtard! Bâtard! Ouais, t'es bâtard, ouais, t'es juste un bâtard. Et bâtard! Bon, alors, allez, on y va. Ligne numéro 8, ça sera ton dernier coup de téléphone pour toi. Vas-y. C'est Christophe. Dernier coup de téléphone. Pour toi, je vais chez Christophe. Cédric, chez Christophe. Allez. Tu sais pas faire un numéro, Karim. Allez, fonce dans le mur, ma gueule. Regarde, il y a des chiffres sur des ronds. Allez, j'espère que tu vas bien foirer comme celui que t'as fait là. Ta gueule, toi. Fais comme quel le deuxième. Quel mauvais joueur celui-là. Fais comme le deuxième. Ok, bah j'espère que tu feras comme ton premier, tiens. Ah. Allô. Allô. Ah, bonsoir, est-ce que Christophe est là? Oui. Ouais, tu me le passes, s'il te plaît? Oui. Merci. On va donc chercher Christophe. Ouais. Allô. Ouais, Christophe. Ouais. Bon, comment ça va, ma poule? Ça va et toi? Ouais, dis-moi, je voulais faire un petit cadeau à ta femme ce soir, c'est possible ou pas? Ah oui, c'est possible, oui. Ouais, je voulais passer à la maison. Ouais. Je lui fais un petit cadeau, genre je joue le Père Noël. Et puis bah après, je lui fais l'amour, quoi. Oh non, mais attends. Tape ta gueule, quoi. Allô? Ouais, oui. Bah c'est possible ou pas? Ouais, tu peux passer, ouais. Bon, bah écoute, je viens à la maison, je lui fais son cadeau, après je lui fais l'amour toute la nuit. Ça marche. Et si tu veux, tu pourras même regarder et à la limite, je t'expliquerai deux, trois trucs. Ouais, ok. Et si tu arrives après, tu pourras faire comme moi. Ok, ça marche. Ok, bon, bah écoute, mon petit pote, j'arrive, hein. Bah, c'est bien sans faute, hein. Bah, prépare tes fesses au cas où si ça se passe bien entre nous deux, on fera un truc. Ah, bah, y'a pas de problème. Bon, bah, tout de suite, j'arrive. Voilà, ça marche. Merci. Allez. Bravo, bravo. Merci, Cédric. Ouais, bravo, mais alors, Cédric, par contre, tu t'es lâché parce que, à un moment, j'ai cru que tu as. Fait exactement la même méthode que Romano, je suis Père Noël. Ah ouais, non, mais attends. Je suis Père Noël. Si, tu l'as dit. Allez, je te reprends sur le truc. Bon, alors, Cédric, tu dis que t'as pas dit Père Noël. Attends, il a dit qu'il a pas dit Père Noël. Alors, ouais, bah, attends, je fais mon appel. J'ai pas dit. Si, tu l'as dit. Ah, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Bon, ferme ta gueule. Ah, message sur SMS, Aztec du 75. Va falloir de rire, Cédric s'invente une vie. Trop débat. Non, mais ouais, le mec, normal, tranquille. Encore pire que d'habitude. Tous les coups sont permis. On a eu. Non, tous les coups sont pas permis, non. On a eu la démonstration de ta mauvaise foi, Cédric, en direct. Là, vraiment, là, il y a pas. Là, vraiment. Vas-y, moi. Par contre, bravo. Bravo pour le clash, car il a serré, Romano. Tu rigoles, tu rigoles. En volant ma méthode, c'est pas trop dur. Eh ouais, mais il a serré. Tu te balances bien.
Noël, normal. Premier appel, j'ai l'invitation. Dernière famille, je me fais inviter, je vais niquer la femme, je vais niquer le mec, tout tranquille. Et dernier coup de fil pour Romano. Allez, attention, c'est pas fini là. T'as la pression sur tes épaules, Romano. Les non, petites épaules. C'est bon, moi je. Ça va chier quand même. Ah, ça va chier les bulles, je vous le dis. Bon, c'est le dernier coup de fil. C'est qui alors? Et après, vous pourrez voter. Moi j'attends. Bon, t'attends, on appelle Sébastien. Qui? Sébastien. Bonne chance, Romano. C'est ta dernière chance. Dernière chance. Tu sais pas faire un numéro, Karim. Non, mais si, regarde, je t'ai dit, il y a des touches. J'entends pas, moi. Non, non, mais ça marche pas comme ça. Fais un autre numéro. Il faut faire vite, là, parce que je vais pas vous cacher que j'ai envie de pisser. Si vous voulez que je me pisse dessus. Je dis les mal, le man. Non, non, mais c'est. Tu sais, j'ai envie de pisser. Mal, c'est un jour qui va. Je vais te pisser dans la tête dans la bouche. Viens, on appelle. On appelle Olivier. C'est drôle de délire, toi. Concentre-toi, Romano. Tu vas foirer ton clash ce soir. Allô? Allô? Allô, c'est la femme d'Olivier, ça. Oui. Oui, bonsoir, Olivier est là. C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. D'accord. Merci. Et vous le passez. Merci bien. Voilà. Alors. Et Jean-Louis. Ouais, allô? Ouais, comment ça va? Ça va. Ça va, c'est Jean-Louis là, pareil. Ouais. Ouais, je t'explique. Tu sais, je suis Père Noël dans les supermarchés là. Demain, je suis dans le supermarché du coin. Et je recherche une Mère Noël. Et j'avais pensé à ta femme. Ouais. Ouais, donc je voulais savoir si je pouvais passer à la maison là. Tout de suite pour la voir un petit peu. Et un peu c'est la qui, là? C'est moi, je m'appelle Jean-Louis moi. Ouais. Ouais, et donc je voulais passer de m'occuper un peu de ta femme quoi. L'entraîner pour demain si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Ouais, tu vois, un peu je vais faire l'amour avec elle quoi pour être clair. Ouais. Ça te dérange pas? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Bah écoute, c'est parfait ça. Bon, alors, ce que je fais c'est que je vais prendre ma petite voiture puis je vais venir je vais venir m'occuper de ta bonne femme. Hein? 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 Elle sera là. Elle sera, j'espère qu'elle sera là. Puis toi aussi, seras là. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Écoute, t'inquiète pas, t'en auras aussi, toi. Je vais m'occuper de ton cas. Je vais m'occuper de ton petit anus, toi. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es content? T'es content? J'arrive dans 5 minutes. Non. Oh. Ah, si, si. Non, je crois qu'ils sont pas des couilles. Il m'a dit de venir. Ouais, t'as raccroché la gueule. Là, il avait déjà l'anus écarté. Je suis raccroché la gueule, là. J'ai l'impression que ça va être très, 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 très serré, tout ça. Ah, attends, on va lui écarter le cul. Qui va gagner le clash de ce soir? J'espère moi. Le clasheur, le premier clasheur de cette semaine de Noël. Oh, je suis le Père Noël, j'aime trop Mano. Bien sûr. Merci, Père Noël. Bien sûr. Allez, plus de là. Clash de Noël sur la chaîne Asly, Guy. Ils sont là. Ouais. Romano, wow. Ou Cédric. C'est moi ça. Romano, wow. Ou Cédric. Ouais. Clash de Noël, vous nous avez fait ce soir. C'était mignon. Et Cédric, hein. GG Tonic. C'est pas sûr. Ça, c'est pas encore dit. Je vous donne les résultats du clash. Mais d'abord, attention, c'est parti. Résultat du clash de la drague de ce lundi 23 décembre. Avant-veille de Noël. Ouais. Qui aura un premier cadeau pour cette semaine, une victoire. C'est un beau cadeau, ça. Ça serait pas mal, ouais. Les résultats donnent 49,9 pour le perdant. Eh 50,4 pour le gagnant, c'est serré. Alors ça, il doit y avoir un problème. Pourquoi? 49,6 pour le perdant. Ah oui, c'est 49,6 et 50,4. Voilà, c'est ça, ouais. Ça fait donc 100. Oui, c'est là on est bon, le compte est bon. On vous a tous compté, vous avez voté, vous êtes tous comptés et vous avez donné ce soir la victoire à Cédric. Oh, putain, c'est bon ça. Tu es à 49,6. Ah oui, ça c'est bon. Romano à 50,4. Et joyeux Noël Cédric, t'offre une petite branlée comme ça. En avant-goût de Noël. Ah, c'est vraiment petit alors. C'est un cadeau que tu lui fais. Ouais, comme ça, c'était pour lui faire plaisir. C'est cadeau. Et Cédric Romano est généreux, il t'offre une branlée, il est gentil. Branlée, j'avoue une petite. C'était serré jusqu'au bout. On fêtera Noël avec un nouveau clash de la drague. Bien géré, Romano a peu de choses, mais bien géré. Ouais, un petit cadeau pour Cédric, gentil comme tout. Gentil, c'est très gentil. Merci à vous tous en tout cas. Joyeux Noël, petit. Toi, la ferme! Et on vient vous rejoindre demain soir à partir de 21h, on sera là. Et demain soir, c'est le jour des cadeaux de Noël. C'est vraiment le jour que j'attends le plus en cette année avec mon jour d'anniversaire qui est le 11 janvier, je le rappelle. Il précise. Le 11 janvier, c'est d'ailleurs pas très longtemps. Bon anniversaire, Samy. Bon anniversaire. Allez, les cadeaux, les gars, ils sont où?
Alors les cadeaux, ce sera en même temps que les cadeaux de Noël. C'est voilà. Le Père Noël qui nous les a amenés. Tu te fais toujours des cadeaux en fait. Je passe cette nuit. Ouais. Ma mère a mis ça depuis chez nous. Il faut que tu aies. Ouais, c'est ça. Il faut une du cage. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le Père Noël? Qu'est-ce qu'il a dit, ouais, le Père Noël? Excusez-moi, j'ai forcé sur l'agneau. Ah ouais, c'est bourré. J'ai l'impression que ça va rouler de traviole. Ouais. Petite blague. Ça va rouler de traviole. Bon, cadeau de Noël pour demain. Donc, vous avez une petite idée. Moi, j'ai déjà un cadeau pour Cédric. Ah, c'est bon, gentil. Un deuxième avec le régime de bananes que je t'ai offert. Ah, bah, c'était sympa, ouais. En parlant de tes origines. J'adore les bananes. Comment ça, mes origines? Bah, on va parler que tu venais de la jungle. Ah non, là-bas. La Belgique, c'est pas la jungle. Hein, on m'a dit, il vient de la jungle. On a parlé dans l'émission tout à l'heure. Parle bien de mon royaume, mec. Bon, un cadeau donc pour vous tous et vous toutes. Une bise de l'équipe de la Marie en particulier. Oui, gros bisous. C'est pas mignon, ça. Ah, oh, si. Ouais. Vas-y, refais ta dernière blague de Noël que t'avais fait tout à l'heure, Karim, pour ceux qui l'auraient loupé, qui seraient arrivés après le réveillon, après avoir bouffé tout ça. La toute dernière, là. Alors, c'est quoi un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël? Attention, accrochez-vous. C'est pour terminer en beauté, ça. Ah, bah oui, ça. Eh bah, c'est un chapin de Noël. Merci. Ouais. Joyeux Noël et rendez-vous demain, juste avant 21h, pour la Radio Libre de Noël. Bonne ciao, nuit à vous. Bonne nuit. Et à demain. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'émission spéciale de Noël sur la chaîne de Sly Guy. Joyeux Noël à tous. À bientôt, bande de ouf. Merry Christmas from the Fat Lard. Joyeux Noël, mon poussin. Joyeux Noël, Dementor. Si vous saviez comme je vous aime, je ne l'ai pas beaucoup montré ces derniers temps. Oui, j'ai beaucoup négligé ma famille. Mais j'ai compris. Je vous aime, sac à merde. Bon, allez, allez. Passe de bonnes fêtes. Où es-tu, sale petit morveux?